Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire, la 9e du 19 avril. Oui, malheureusement, nous sommes en retard. 19h23, on s'excuse. Il faut comprendre que c'était le retour du congé pascal. On avait beaucoup de choses à se raconter et que l'horaire du plénier qui nous précédait était un peu chargé. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes en retard aujourd'hui. Alors, l'ouverture de la séance, j'aimerais ajouter au point 7.5.25... un appel d'offres, récupération et traitement des résidus granulaires, l'appel d'offres 15-611. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour cet ajout au conseil municipal? Je propose la modification, Madame la Présidente. Monsieur Deneau, Monsieur Jaigue, parfait. Donc, mot de Madame Baudin. Allez-y. Oui, bien pour les citoyens et citoyennes qui nous ont suivis lors du plénier un peu plus tôt, vous avez compris qu'on lance aujourd'hui officiellement la saison des travaux. On aurait préféré le faire sur une terrasse avec une sangria, mais disons que la température ne se prêtait pas à cela aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours préconisé l'approche réaliste. Je préfère que les gens sachent à quoi s'en tenir. Alors, la vérité, c'est que ce ne sera pas facile sur les routes cet été à Sherbrooke. Les villes au Québec ont tellement manqué d'amour que le rattrapage à faire en matière de chaussées et de tout ce qui se trouve en dessous est gigantesque. Malgré les sommes colossales que nous avons eu le courage de mettre à notre premier budget pour la réfection des rues et des conduites, Sherbrooke ne pourra pas compléter le rattrapage dans ce mandat-ci, ni dans le suivant, ni probablement dans l'autre d'après, du moins pas dans les conditions actuelles. On parle de décennies et de décennies de déficit d'entretien à rattraper. La bonne nouvelle, c'est que les gens autour de cette table ont décidé d'arrêter de pelleter en avant. Jamais Sherbrooke n'avait mis autant d'argent dans l'entretien des infrastructures. C'est pas compliqué, on a mis le maximum qu'on pouvait mettre selon notre capacité d'endettement, parce qu'à travers tout ça, il faut continuer de penser aux générations futures. Il faudra donc tous et toutes cultiver notre patience. Pour avoir de plus belles chaussées, ça prend des travaux. C'est comme dans la vie, quand tu veux une cuisine neuve, il faut que tu acceptes que tu vas devoir te passer de ton évier de cuisine pendant les 2 semaines de réno. Alors, on respire, le beau temps s'en vient, on est plein d'espoir. Puis, avec la popularité des vélos électriques, ce sera peut-être aussi l'occasion pour plusieurs d'essayer un nouveau mode de transport pour se rendre au travail, comme le font d'ailleurs plusieurs membres ici autour de la table. Je termine en saluant nos travailleuses et travailleurs de chantier qui font un métier qui n'est pas toujours facile. J'invite tout le monde à faire attention au volant. Puis je dirais même que c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Ne dites rien aux travailleurs et travailleuses que vous ne diriez pas devant votre mère. Alors, merci. Bon conseil à tous et à toutes. OK, parfait. Merci, Madame la mairesse. Vous voyez que nous portons ce petit ruban vert, c'est pour vous rappeler que du 24 au 30 avril prochain se tiendra la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, donc sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans ». Je trouvais ça très original comme slogan. Bravo à ceux qui l'ont pensé. Avec une augmentation de 86 personnes sur la liste d'attente pour un total de 888 dont la vie dépend de la transplantation Transplant Québec, on compte évidemment de plus en plus sur nous afin de sensibiliser nos proches pour favoriser la discussion et surtout l'expression des volontés sur les dons d'organes. Et cette augmentation, c'est la plus forte hausse observée en 10 ans. Donc, plus que jamais, parlez-en autour des gens qui vous entourent. Si vous n'avez pas signé votre carte, faites-le. Et c'est une réflexion que l'on a à faire en commun afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens sur cette liste d'attente pour des dons d'organes. Mais aussi, la semaine prochaine, c'est aussi la semaine du bénévolat, Madame Robichaud. Oui, du 24 au 30, c'est la semaine du bénévole. Ils se font de plus en plus rares, donc saluons-les et surtout merci de leur don de soi. Et pour les personnes intéressées à donner de leur temps, vous pouvez consulter le Centre d'action bénévole de Sherbrooke. Merci beaucoup, Madame Robichaud. Avant de commencer dans l'agenda officiel,
Il fait partie de l'agenda officiel parce que, suite au départ de notre vérificatrice générale, qui est à la veille de nous quitter le 1er juin 2022, et encore une fois, le conseil municipal tient à remercier Mme Cossette de ses bons services au cours des dernières années. Ce fut une excellente vérificatrice générale. Nous avons procédé au cours des dernières semaines à l'embauche d'une nouvelle personne qui devra prendre le poste de vérificateur général. Il est avec nous ce soir. Monsieur Yves Denis. Monsieur Denis, alors on vous demande de vous lever. Bienvenue à Sherbrooke. Monsieur Denis vient. Oui, vous pouvez applaudir. Monsieur Denis était à la ville de Lévis. Beaucoup d'une belle, comment je peux vous dire, une belle feuille de route. Il entrera en fonction le 13 juin prochain pour une période jusqu'en 2029. C'est quand même tout un contrat, mais vous allez voir à Sherbrooke, on est bien. Alors, merci, monsieur. Vous avez une belle feuille de route, puis on espère que vous allez pouvoir demeurer avec nous bien longtemps. Merci, monsieur Denis. Merci. Donc, quand on arrivera au point 7.5.3, ben, c'est ce monsieur à qui nous allons autoriser, à moins que vous changiez d'idée en cours de route, là. Ce serait bien mal vu, mais ce sera l'autorisation, l'embauche de monsieur Yves Denis au poste de vérificateur à la ville de Sherbrooke. Donc, le point 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal du 5 avril. Pause, Madame la Présidente. Monsieur Deneau. Oui. Monsieur Jeng. Du comité exécutif, le procès-verbal du 6 avril. Je propose. Je vais l'appuyer. Madame Le Tartre-Lavoie, appuyée par Madame Godbout. Les conseils d'arrondissement, maintenant, 4.3.1, l'arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, dépôt du procès-verbal du 28 février. Je propose avec un commentaire. Madame Boileau. Je vais appuyer. Appuyée par Madame Robichaud. Madame Boileau. Ce procès-verbal confirme la nomination de Monsieur Michael Jacques comme membre citoyen représentant de Brompton au comité consultatif d'urbanisme, une nomination dont Brompton peut être fier. Monsieur Jacques est un citoyen très impliqué, en plus d'être un membre fondateur de la nanobrasserie L'Ancienne Forge. Bravo. On a également adopté la cédule 6, soit la liste des projets d'immobilisation pour les parcs, des investissements totaux de 82 000 $ seulement pour Brompton. La liste est dans le journal Ici Brompton, édition de avril 2022. Merci. Merci, Madame Boileau. 4.3.2, arrondissement de Fleurimont, dépôt des procès-verbaux du 24 janvier et du 28 février. Je propose. Madame Dauphinet. J'appuie. Madame Le Tartre-Lavoie, merci. 4.3.3, arrondissement de Lennoxville, dépôt du procès-verbal du 22 février. Je le propose. Monsieur Charon, mais je vais vous appuyer. Merci. 4.3.4, arrondissement des Nations, dépôt des procès-verbaux du 22 février et du 14 mars. Je propose. J'appuie. J'appuie, madame. Ah, c'est bon. Monsieur Jeng, appuyé par Madame Laroche. Corporation, comité, groupe de travail. 4.4.1, entreprendre Sherbrooke, dépôt du procès-verbal du 16 mars. Je propose. Merci, Mme Lefebvre. Et M. Quibonge appuie. Alors, nous serions rendus à la période de questions des personnes présentes. Et comme les différents décrets du gouvernement, la majorité ont été levés, donc nos règlements disent et stipulent que c'est la période des questions présentes. Donc, ce soir, nous prendrons uniquement des gens qui sont dans la salle. Pour celles et ceux qui, dorénavant, nous enverront une question écrite, elles seront répondues, ces personnes, par écrit. Et si jamais il y a quelqu'un qui veut poser une question via le web, on essaiera de répondre à sa demande. Mais on revient dans l'intégralité du règlement 1300 avec la période de questions en présentiel. Donc, je vous rappelle que cette période de questions, ben, vous devez vous nommer l'arrondissement où vous résidez. Si jamais vous représentez un organisme, ben vous devez n'être qu'une personne qui représente cet organisme-là et nous dire quel organisme que vous représentez. Le sujet doit en être un d'intérêt public. On se limite à deux questions. Le préambule fait partie de la période de 3 minutes qui vous est allouée et vous vous adressez à moi. Et si je le juge nécessaire, ben je peux demander à quelqu'un d'autre de répondre à votre question, mais vous devez terminer votre préambule de 3 minutes. Avec une question. Ça vous va? Alors, la première personne que j'appelle, M. Pascal Cyr. Ça, c'est rare, hein? Mais moi, j'ai pas d'attente.
Non, mais dans le sens où M. Pellerin, lorsqu'il est venu au dernier conseil, il dit, ben, je passe, ça me surprend, je ne passe pas le dernier. Alors, non. Allez-y, M. Cyr, vous avez 3 minutes. OK, bon. Il y a deux... Premièrement, Madame la Présidente, j'aimerais vous féliciter sur la façon dont vous dirigez les séances de questions avec les citoyens. Ça fait du bien par où ça passe, et puis, bon, c'est le fun. Merci, M. Cyr. Bon. Par contre, la semaine, il y a 2 semaines, vous avez utilisé de votre privilège afin de donner la parole à Mme Dauphinet. C'est dans le règlement 1300. Vous aviez le droit de lui donner la parole. Ce qui m'a un peu, en fait, ce qui m'a choqué, choqué, pas choqué, en sens d'être en colère, là, c'est que Mme Beaudin, elle est intervenue auprès de vous afin que vous retiriez le droit de parole à Mme Dauphinet. Je ne veux pas revenir sur le fond du débat, mais franchement, là, c'est parce que c'est vous qui êtes la présidente. C'est vous qui décidez à qui vous donnez la parole, et c'est écrit en toutes lettres dans le dernier article, je pense que c'est 2.17 du règlement 1300. Et bien que je trouve que vous faites un excellent travail, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous allez être en mesure de diriger les débats indépendamment des sautes d'humeur de Mme la mairesse? Je ne vous demande pas de répondre à la question. Je vous demande juste de réfléchir là-dessus. Puis si je peux donner un conseil à Mme Beaudin, ben, quand on reste dans une tour de verre, on ne lance pas de cailloux, parce que des fois, ça revient. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Parfait. Merci. Et je peux vous donner une partie de la réponse parce que le lendemain, je me suis entretenue avec Maître Chabot concernant justement cette particularité-là. Oui. Et on a éclairci la situation avec les élus dans la réunion qui a suivi en huis clos. Vous savez, oui, effectivement, je suis présidente, donc je peux décider de donner les droits de parole, de les retirer, d'expulser les gens, je peux à peu près faire ce que je veux. Je ne veux pas faire ce que je veux non plus. Je veux qu'on ait du plaisir à siéger. Attention, fais ce que vous voulez. Non, non. Je veux qu'on ait du plaisir à siéger. Ouais. Et quand chaque élu a droit à une parole, d'accord? Et si c'est pour une question de précision, oui, je peux redonner la parole à l'élu. Sinon, c'est à mon bon jugement que je vais décider de la donner ou non. Donc, pour éviter des situations comme la dernière fois, je vais me permettre de demander, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une période de débat. Mon père est plus fort que le tien, parce que ce ne serait pas intéressant. Alors, je vais me donner la permission de demander à quel sujet l'élu redemande une deuxième question, un deuxième droit de parole dans le même sujet ou pour la même situation. Et à ce moment-là, avec mon bon jugement, je pense que j'ai un bon jugement, j'évaluerai si je donnerai le droit de parole ou non. Et c'est aussi bon pour la mairesse. Parce que vous savez que vous avez bénéficié aussi d'un précédent. Monsieur Paquin, oui, quand il siégeait, vous avez siégé sous la présidence, oui, de Monsieur Paquin. Oui. Quand M. Paquin, il y avait, puis en fait, ça a été pareil pour son prédécesseur, M. Tanguay, puis M. Perrault, quand il cumulait tous les pouvoirs, là. Bon, quand il y avait effectivement un élu ou un élu qui se faisait attaquer, il donnait le droit de réponse. Il y avait un précédent qui existait. Et vous avez, et je le sais que vous avez utilisé ce précédent-là aussi pour donner la parole à Mme Dauphinet. Alors, personnellement, ce que je n'ai pas aimé, c'est que vous avez, à ce moment-là, vous avez perdu le contrôle de l'Assemblée parce que, bon, vous vous êtes fait interpeller sur votre droite. Ça a permis à M. Pellerin, qui s'est intimidé, de vociférer dans la salle. Oui, je suis et avec... puis, bon, en mais tout cas. Mais je comprends très bien votre point de vue, M. Cyr, et je me suis engagée auprès du conseil à parler à M. Paquin. Oui. Je le ferai dès que j'ai un moment afin de clarifier la situation, mais j'étais très au fait et j'ai fait les vérifications le lendemain. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, M. Cyr. Merci. Madame, bon, Adriana Maria Herrera Duarte. Ou, je sais qu'il y a des gens qui veulent venir nous parler de l'Église unie. Théoriquement, c'est une personne par sujet, mais comme on vous a
comme dit, ben oui, c'est peut-être possible. Donc, je vais vous permettre ce soir de nous interpeller à ce sujet-là. Vous êtes quatre. Ben, allez-y dans l'ordre. Moi, je ne veux surtout pas défaire votre ordre. Donc, faites le scénario que vous avez envisagé. Mais vous avez quand même 3 minutes, vous le savez. Ça va être plus long que ça? OK. Vous êtes 2 personnes d'inscrites? Oui. 3 minutes, parfait. Alors, on va le respecter. Il y a des exceptions comme ça, même si la semaine sainte est passée. On va vous laisser aller. Merci. Je m'appelle Anne Saint-Pierre. J'habite le super district de Brossard. Le micro, juste en avant de vous. Pesez la base. Puis, il y a 2 petits points. Je recommence. Je m'appelle Anne Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. J'habite le super arrondissement de Bromptonville. Bravo, Catherine. Alors, bonsoir à tous, Madame la mairesse, Monsieur et Madame les conseillers. Nous sommes ici ce soir en tant que représentants du groupe de soutien à la famille Rodriguez-Flores. Vous connaissez la famille Rodriguez-Flores, la plupart d'entre vous? Oui. Alors, la famille Rodriguez-Flores s'est réfugiée dans l'église Plymouth Trinity de Sherbrooke le 8 novembre dernier et n'y est jamais ressortie depuis. Après de longues procédures de traitement de leur dossier, de l'abandon de leur premier avocat et d'un parcours semé d'irrégularités administratives, la famille a reçu en octobre 2021 un avis de déportation vers leur pays d'origine, le Mexique. Nous utilisons le terme « irrégulier » car la famille n'a jamais eu l'opportunité de se faire entendre par Immigration Canada, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental reconnu par la Convention de Genève en 1951, et le Canada, je vous rappelle, est un pays signataire de cette convention. Un autre exemple d'irrégularité dans le traitement du dossier de la famille Rodriguez-Flores est cette erreur présente dans l'avis de déportation lui-même, où il est cité noir sur blanc que leur pays d'origine est le Guatemala, ce qui n'est pas le cas. Ils viennent du Mexique. Georgina Flores, son mari Manuel Rodriguez et leur fils Manolo n'ont pas obtempéré à cet avis de déportation qui était prévu le 8 novembre dernier. Ils clament haut et fort depuis le début de cette histoire qu'ils sont en danger de mort s'ils retournent au Mexique. Les événements du passé leur donnent raison. La famille a été victime de recrutements forcés et de tentatives de mort à plusieurs reprises de la part d'un cartel nouvelle génération, plus sanguinaire, du Mexique. Devant leur refus d'obéir aux tentatives de recrutement forcé du cartel, le restaurant de la famille a été incendié. C'est alors que Georgina, son mari et leur fils Manolo ont décidé de fuir leur pays. Quelques mois plus tard, après le départ d'une partie de la famille, les membres du même cartel ont suivi et traqué la fille aînée de la famille, Claudia, demeurée au Mexique. Après plusieurs refus de Claudia et de son mari de se soumettre aux tentatives de recrutement forcées, le même cartel a procédé à leur séquestration en les ligotant, eux et leur petite fille qui avait 2 ans, dans une pièce de leur maison et y ont mis le feu en utilisant des accélérateurs. Les membres de la famille de Claudia ont réussi à s'échapper in extremis et ont été cachés par un cousin jusqu'à leur arrivée à Sherbrooke en 2019. Nous soutenons cette famille depuis le tout premier jour. Une famille arrivée à Sherbrooke en 2018, dont les 3 membres travaillaient, étudiaient et trouvaient le temps de faire du bénévolat au sein de leur église. Une famille qui, à notre avis, enrichit notre communauté. Considérant l'appartenance de la famille Rodriguez-Flores à la communauté sherbrookoise depuis 2018 et considérant les risques de mort qui pèsent sur elle en cas de déportation vers le Mexique, nous demandons au conseil municipal s'il accepte de dénoncer l'avis de déportation de la famille Rodriguez-Flores. Nous demandons également aux membres du conseil si une motion peut être proposée en vue d'accorder une citoyenneté honorifique sherbrookoise à Georgina Flores, à Manuel Rodriguez, ainsi qu'à leur fils Manolo, 18 ans. Merci de considérer nos demandes. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire votre partie tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Allez, et après on répondra. OK. Vous m'écoutez? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Adriana Herrera.
j'accompagne aussi la famille. Donc, on se pose des questions de pourquoi le gouvernement, pourquoi c'est difficile pour le gouvernement d'accepter ou de comprendre qu'il y a un conflit interne au Mexique à cause de tout le narcotrafic, à cause de tous les cartels de la drogue. Pourquoi, pour la famille, ce n'est pas dangereux de retourner, mais lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a des personnes qui sont mortes, des personnes canadiennes, dont le gouvernement il sort rapidement des informations comme quoi c'est dangereux de se rendre là. Donc c'est un peu incohérent, c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Donc j'ai lu récemment un informe qui a été publié par les Nations Unies à date du 12 avril 2022. Il part de 95 121 000 personnes qui sont disparues. On parle juste d'une partie de toute la situation. Je vais parler juste des disparus. Je ne parle pas des femmes qui ont été agressées sexuellement. Je ne parle pas des familles qui ont été tuées. Je ne parle pas des enfants qui sont recrutés de façon forcée pour se prostituer. Je ne parle pas du traite de personnes. Je parle juste des disparus. Donc, si au niveau des disparus, il y a autant de personnes, donc on n'a pas de nouvelles, imaginez-vous. Donc, dans ce rapport, il parle de l'augmentation de ces disparus et de ces crimes qui sont commis au niveau fédéral, au niveau estatal, au niveau municipal, ça veut dire dans tous les territoires du territoire du Mexique. On parle aussi que les acteurs matériels de ces crimes sont les cartels de la drogue. Dans les mêmes informes, il parle de l'existence de l'impunité. Il parle d'une impunité absolue des crimes reconnus comme un phénomène structurel, ce qui favorise la reproduction et la dissimulation des crimes et met en danger la vie des défenseurs des droits humains, des enquêteurs, des familles qui sont dans la recherche de personnes qui sont disparues. Donc, juste en regardant cette petite partie, on se rendrait compte que la situation n'a pas changé. La corruption des institutions de l'État ne garantit pas la sécurité des personnes. On ne peut pas minimiser. Je voulais aussi dire qu'à chaque fois que la famille sort dans les médias, les risques augmentent. Pourquoi? Parce que ni le gouvernement, ni les cartels, ni les organismes de l'État sont contents de voir que la famille est en train de faire des dénonciations au niveau international qui viennent nuire la réputation, qui viennent nuire l'image d'un pays. Donc, la famille a besoin de vous, de votre action, pour nous aider à convaincre les personnes responsables de prendre la décision de les accorder son droit à la vie. J'ai pas de questions. Merci. Merci beaucoup, madame. Je tiens à vous féliciter pour votre français. Il est excellent. Maintenant, madame Beaudin. Oui, merci beaucoup. Merci de vous être déplacée. On est tous ici autour de la table très touchés par cette histoire. On est un peu ébranlés de savoir qu'il y a des citoyens dans notre ville qui sont contraints de vivre dans une église dont ils ne peuvent pas sortir. C'est quelque chose qui vient vraiment nous toucher profondément. Puis, de notre côté, à la ville de Sherbrooke, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de voir le plus possible avec le bureau de Mme Brière, s'assurer que le suivi est effectué. Puis, on leur a parlé aujourd'hui même. La confirmation qu'on a eue, c'est que le dossier avance, que ça chemine bien. C'est sûr que tout ça, c'est de juridiction fédérale, principalement. Puis on va continuer d'appuyer votre cause auprès des différents députés, notamment la députée fédérale. On a vu aussi qu'il y a eu des grands délais dans le dossier. C'est quelque chose qui nous est souvent soulevé dans les dossiers en immigration qui cause beaucoup de problèmes parce que, bon, le cas dont vous nous parlez ce soir
a été plus couvert médiatiquement, mais on est aussi au courant de d'autres cas sur le territoire qui sont problématiques. Alors, c'est sûr que c'est difficile de voir ça qui arrive sur notre territoire. Donc, par rapport aux demandes que vous nous formulez ce soir, là, on va pouvoir en discuter avec l'ensemble des membres du Conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Suzanne Beaulieu et Monsieur Pierre Chevalier pour la présentation d'une situation et de la réfection de la rue des Merisiers. C'est dans mon district, je le connais très bien. Alors, ces gens m'ont contacté pour savoir s'ils pouvaient venir vous raconter la malheureuse situation de la rue des Merisiers. Mais je les ai avertis tout de suite que ça ne ferait pas comme Albéric Dussault, ça ne sera pas réparé demain matin parce que la rue était déjà dans le collimateur. Albéric Dussault n'est pas réparé, là. Bon, d'accord, parfait. Alors, Madame Beaulieu, d'accord. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Chevalier, allez-y, je vous écoute. Monsieur Chevalier, merci. Alors, oui. Votre micro, Madame Beaulieu, vous appuyez sur la base, il y a deux petites lumières bleues qui vont allumer. Voilà. C'est bon? Parfait. Très bien, merci. Alors, donc, l'objet de notre pétition, bien sûr, c'est la réparation, on appelle ça une réparation majeure et en profondeur de la rue des Merisiers parce qu'il y a des problèmes au niveau de la canalisation et de la chaussée. Alors, j'ai certains attendus que, puis ensuite on passera à notre question, si vous le permettez. Alors, attendu que la rue des Merisiers est dans un état de décrépitude avancée, attendu que la rue comporte, comme plusieurs autres, bien sûr, mais plusieurs nids de poules et depuis plusieurs années et des fissures majeures. Attendu que de nombreux sillons se creusent de plus en plus au fil des ans, et ce, depuis l'instauration surtout du service de transport en commun en juin 2006, malgré le mécontentement de cette initiative dans notre rue, et en fait, ces autobus sont presque toujours vides. Attendu que la ville ne fait que des réparations mineures de surface qui ne tiennent jamais, quelques heures, quelques jours ou au plus quelques semaines. Attendu que l'eau crée des dégâts importants, circule un peu partout, sauf vers l'épuisard. En hiver, des amas de glace énormes se forment, principalement du côté sud, entraînant ici des problèmes de circulation et pour les automobilistes et pour les piétons. Attendu que notre qualité de vie en souffre, des enfants sont à risque de se blesser, les automobilistes craignent pour leur voiture et les piétons ne savent plus où mettre les pieds. Attendu que ceci a également un impact sur l'évaluation et l'esthétique de nos propriétés et des bris potentiels sur nos véhicules. Attendu que de nombreuses rues de notre secteur ont fait l'objet de réparations majeures au fil des dernières années, sauf la nôtre, et pourtant la construction de notre rue remonte à près de 45 ans. Attendu que nous payons des taxes municipales au même titre que tous les citoyens et citoyennes de la ville, attendu que plusieurs plaintes ont été logées au fil des années pour dénoncer cet état de choses sans obtenir de réponse précise et satisfaisante. Les résidentes et résidents de la rue des Merisiers signent donc en faveur de cette pétition. Je laisse mon ami Pierre terminer la présentation. Bonsoir. Sur la rue des Merisiers, il y a en tout 56 résidences. Nous avons rejoint 44 propriétaires de résidences et sur ce nombre, 42 sont en faveur, soit pour un pourcentage de 95,5. En conclusion, étant donné l'état largement endommagé de notre rue, étant donné les fragilités relatives de notre rue dues à l'environnement naturel, à savoir la proximité de la montagne, la pente de la rue, les eaux de pluie et la fonte des neiges et les redoux, étant donné le passage des autobus qui creusent des sillons de plus en plus importants depuis maintenant 15 ans, il va faire 16 ans cette année, finalement, étant donné les risques d'accidents potentiels dus au mauvais état de la rue, bris d'automobiles, blessures pour les piétons, particulièrement les enfants et les personnes âgées. Finalement, la question qui tue, quand la Ville va-t-elle enfin considérer notre demande persistante de réfection de la rue des Merisiers? Merci de votre attention. Merci.
Merci beaucoup, M. Chevalier. Merci, Mme Beaulieu. Bien, évidemment que je n'ai pas la réponse que vous souhaitez, c'est sûr et certain. On a eu une présentation tout à l'heure au comité plénier public d'une nouvelle matrice qui a été réalisée, avec qui nous indique le PCI, donc l'état d'usure des différentes rues de la ville de Sherbrooke, évalué selon une grille, et c'est automatisé, tout ça, ça se promène dans les rues et ça nous fait des recommandations. Votre rue a été construite en 1980 et vous avez un PCI de 20. Donc, il y a 1704 rues qui ont un PCI de 20 ou moins. Donc, vous êtes un petit peu loin. Par contre, évidemment, que le service est à revoir, c'est différentes, je vous dirais pas priorités, mais à savoir, c'est vrai, quand l'autobus passe, ça endommage plus que s'il n'y a pas d'autobus, combien il y a de gens qui y circulent et tout ça. Donc, écoutez, vous avez bien fait de venir déposer votre pétition. On vous a entendu. Maintenant, on verra où ça se situe dans le nouveau PCI qui va être présenté à l'arrondissement à la fin du mois de mai. Et je ne peux pas vous dire, j'aimerais bien ça, là, vous promettre, oui, ça va être fait demain ou après-demain ou dans l'année qui s'en vient ou d'ici 4 ans, 5 ans. C'est impossible pour moi de le faire. Comme je suis près des citoyens et des citoyennes, on va se tenir au courant, puis je vais vous redonner des nouvelles, puis on va voir comment le dossier va évoluer, mais c'est partout pareil, c'est une question d'équité. Peu importe où on est, il faut se faire des balises, il faut se créer des échelles, une évaluation, il faut la suivre pour justement faire en sorte que ça n'aille pas à celui qui crie le plus fort ou à celle qui crie la plus forte pour réussir à faire réparer sa rue. Là. Mais je compatise beaucoup avec la situation de la rue des Merisiers. Mais entre-temps, 5858, 821-5858, et cœurez-la, appelez-la, dites-leur qu'ils viennent remplir les trous, qu'ils fassent des travaux pour faire en sorte que vous n'ayez pas de problème, qu'il n'y ait surtout pas d'accident, parce que maintenant, si c'est rendu un problème d'accident et c'est dangereux, bien, à un moment donné, il va falloir qu'on aille la marcher puis qu'il y ait des gens qui constatent, là. Mais 821-5858, puis gênez-vous pas, allez-y, puis téléphonez. Jusqu'à votre entière satisfaction, ces gens-là sont là pour remplir les trous. Il faut que ce soit carrossable et sécuritaire. Merci. Madame Berthold, juste pour vérifier, la PCI, donc il y a un nouveau rapport qui va être déposé aujourd'hui, en séance publique. Il va être déposé au Conseil ce soir, donc ça sera disponible pour que vous puissiez constater. Je vais entrer en contact avec vous, puis on regardera ça ensemble. Bon, d'accord. Merci beaucoup de votre attention. Merci de l'effort que vous avez fait de récupérer les noms, les signatures. Madame la greffière adjointe, Madame Côté, qui est ici, le courriel que vous m'aviez envoyé avec la pétition. Ah, OK, j'ai déposé. Vous l'avez déposé là aussi, parfait. Avec des photos de la rue également. On les montrait, les photos même. Elle a été très gentille, Mme Côté, très de bien. Le faire. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Maintenant, M. Claude Saint-Jard, et ce sera suivi de M. Mario Poirier. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la Mairesse, conseiller et conseillère. La ville citoyenne de Sherbrooke doit remercier son conseil municipal d'avoir adopté en 2018 la déclaration d'urgence climatique, aussi appelée la DUC, et remercier le groupe Urgence climatique Sherbrooke pour avoir présenté la résolution qui a été adoptée et pour avoir sensibilisé la population au sérieux des changements climatiques. Le plan d'action de cette déclaration pour les municipalités comprend 52 recommandations et l'atteinte de zéro émission de gaz à effet de serre en 2030. Parce qu'on ne peut gérer cette crise comme l'économie. Si on rate notre coup, on ne peut se reprendre. Et tout indique que nous sommes en retard. Alors, comment pouvons-nous faire, nous, les citoyens et citoyennes, pour vous aider à intégrer le plan de la DUC dans le nouveau plan climat local? Comment pouvons-nous travailler ensemble à réaliser les mesures? Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Jard. M. Mario Poirier. Bonsoir, Mme Berthold. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, Mario Poirier, je demeure dans l'arrondissement des Nations. Je suis un représentant de la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie, ceux qui s'occupent des oiseaux. OK. Vous avez quelqu'un qui vous écoute bien parce que j'adore les oiseaux. Ah bon, c'est bien. Donc, je vais faire une petite mise en contexte concernant notre demande aujourd'hui, qui parle de ville amie des oiseaux, justement.
Donc, d'abord, quelques mots sur le concept de ville amie des oiseaux. L'organisme canadien Nature Canada a développé l'idée de stimuler et de faire reconnaître l'implication des villes canadiennes dans la protection des oiseaux et de leur milieu, dans leur milieu de vie. Au Québec, l'organisme Québec Oiseaux assume le rôle de coordination des démarches d'accréditation des municipalités qui font la demande. À Sherbrooke, la Société loisirs ornithologie de l'Estrie, la SLO, a décidé de s'investir dans le projet qui vise à faire reconnaître Sherbrooke comme ville amie des oiseaux. À la SLO, nous croyons dans le potentiel ornithologique de Sherbrooke et de ses environs. Nous avons contacté par courriel Mme Joannie Belle-Rose, présidente de la Commission de l'environnement et de la mobilité, le 3 janvier dernier. Quelques jours plus tard, Mme Belle-Rose nous confirmait son intérêt dans le projet et nous signifiait son intention de planifier une rencontre avec nous. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, nous avons envoyé un courriel de relance le 8 février dernier et demandé l'intervention de M. Marc Denault, qui siège sur la même commission. À ce jour, nous n'avons reçu aucune demande visant à planifier une rencontre. En conséquence, ma question est simple. Quand la ville de Sherbrooke compte-t-elle donner suite à son intérêt manifesté dans le programme Ville amie des oiseaux? Si, M. Poirier, je suis persuadée que venant de Mme Belle-Rose, ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est retenue à la maison pour la COVID. Donc, effectivement, Mme Belle-Rose donne toujours suite à ses dossiers. C'est un peu difficile quand c'est un nouveau mandat, les nouveaux élus arrivent, puis je dis nouveau ou nouvelle, mais j'aime pas ça dire ça, parce que bientôt ça va être des vieux comme les autres. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, ils ont beaucoup de choses à assimiler, et c'est peut-être, mais je suis sûre que c'est pas parce qu'elle veut rien savoir, puis elle vous a juste répondu pour vous faire plaisir. Puis M. Denault, ben là je peux pas répondre pour lui, mais il pourrait peut-être vous répondre, mais je suis sûre qu'il y aura une suite, parce que moi, si j'aime ça, observer les oiseaux, j'en ai beaucoup en arrière de chez moi. Je peux toutes vous les nommer. Puis là, je suis contente parce qu'avec le vent qu'il y a eu hier, puis le vent chaud, bien, ceux du sud qui ne sont pas arrivés, ils vont arriver. Alors, non, mais vous pourriez, là, mais wow. J'aime beaucoup les oiseaux, l'orniculture. Non, ce n'est pas l'orniculture, mais l'affaire des oiseaux, là. L'ornithologie, voilà. Alors, M. Denault, si vous voulez donner suite à monsieur... Eh, Seigneur, on a des longues journées, M. Poirier. Vous savez, on commence tôt. J'en conviens. Ben, c'est ça. M. Denault. Bonjour, M. Poirier. On a eu de bons échanges au téléphone lorsqu'on a parlé ensemble. Puis, excusez-moi, moi, j'ai transféré votre demande à Mme Belle-Rose, croyant qu'elle allait faire un suivi. Mais excusez-moi. Inquiétez-vous pas. Puis, si je suis sûre que ça va se faire, je vais vous conseiller de contacter encore Mme Belle-Rose? Oui, retournez-lui un courriel sympathique, puis lui demander. Puis, je suis sûre qu'elle va se donner, elle va se faire un plaisir de le faire. Mettez-moi en copie conforme si vous voulez. Moi, je vais vous aider aussi parce que ça m'intéresse. OK, merci bien. Merci. Une petite question pour vous, là. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais êtes-vous un organisme admis? Comment? Est-ce que le groupe, là, vous l'appelez? La Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie. OK. Êtes-vous un organisme admis à la ville de Sherbrooke? Admis, je veux dire, je crois que, je ne sais pas quelle est la signification du mot. Dans le fond, c'est un organisme admis, ça veut dire qu'il se fait attribuer un répondant à la ville, puis pour les différentes demandes qu'il formule, c'est un fonctionnaire qui s'assure que ça chemine. Fait que vous pourrez peut-être vérifier cet aspect-là. Un des critères est d'être exclusivement situé dans les normes, dans les limites de Sherbrooke. Probablement qu'on ne se qualifierait pas. Non, vous pouvez avoir, si votre siège social est à Sherbrooke, là, fait peu importe où vous faites livrer votre courrier, là, mettons. Là. À Sherbrooke. Mais vous pourriez valider, je pense que... Il doit avoir une adresse que vous pouvez contacter au SSCVC. Si vous allez sur le site Internet, vous pouvez prendre des notes ou bien réécouter l'enregistrement. Si vous marquez politique d'admissibilité ou organisme admis, il y a un courriel ou un formulaire qui va vous donner l'information. Ça, c'est souvent une bonne porte d'entrée. Puis, dans le fond, vous êtes un organisme de loisirs. Donc, on en a là, des organismes de loisirs qui sont admis. Puis, ça peut être pour toute l'Estrie, mais si vous avez une majorité de membres là, à Sherbrooke, tout dépendamment. Là. Il y a certains critères, vous pourriez devenir un organisme admis, puis ça aide à faire cheminer certains dossiers. Fait que c'est juste une petite piste que je vous donne. OK, merci bien. En attendant d'être admis, on va être amis, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ce que vous nous demandez. Merci, okay. M. Poirier. Merci, bonne soirée.
Maintenant, Madame Cazot-Élisabeth de son prénom. Et oui, j'ai vu des reportages concernant... Allez-y, oui, venez les deux. Ruche Campus, concernant les abeilles. Je ne pensais pas que c'était si dramatique, la situation des abeilles, là, mais ce n'est pas drôle, là, ce que j'ai vu hier. Là. Alors, je vous écoute, Madame Élisabeth Cazot et Catherine Trottier, c'est bien ça? Oui. Et vous êtes préparés, vous faites 3 minutes à 2, c'est ça? Oui. Parfait, go, c'est parti. C'est quoi les consignes? Je tape là. OK. Donc, effectivement, bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis accompagnée de Catherine. Nous sommes étudiantes à l'Université de Sherbrooke et représentantes bénévoles de l'OBNL Ruche Campus, qui est actif à l'Université, donc dans l'arrondissement des Nations. Dans le fond, nous, aujourd'hui, on voulait vous parler effectivement des abeilles. Ruche Campus est une organisation qui se spécialise pour parler du déclin des pollinisateurs et essayer de sensibiliser la communauté à ce sujet-là. On est actif depuis 2014. On a installé des ruches sur le campus pour se servir de l'abeille à miel pour parler de ce dossier-là qui est très important pour nous parce qu'effectivement, les pollinisateurs sont en déclin dans le monde. On n'a pas besoin de le démontrer ce soir. Il y a effectivement plein de reportages très intéressants à ce sujet-là. Mais on peut faire des actions concrètes dans notre quotidien, dans notre espace local pour contrer ce déclin-là. Et c'est important selon nous parce que les pollinisateurs nous offrent un service écosystémique essentiel qui est la pollinisation, d'où son nom, qui nous permet tout simplement de manger des fruits et légumes, donc ce qui est très, très important. Tantôt, on parlait des changements climatiques. Les pollinisateurs participent à notre biodiversité locale qui aide à contrer les changements climatiques. Et on parlait tantôt aussi de l'accréditation de la Ville Amie des Oiseaux. Et c'est d'un projet semblable dont on veut vous parler, la Ville Amie des Abeilles. Donc, c'est thématique ce soir. C'est BCT Canada, donc qui n'a pas de lien avec BCT, l'application. Mais dans le fond, c'est une accréditation qu'on peut avoir pour une ville. C'est déjà été fait pour les villes de Toronto, de Montréal. Et nous, à l'université, on a été reconnus comme un campus ami des pollinisateurs et on voudrait que la ville de Sherbrooke en fasse tout autant. Et Catherine va vous expliquer plus précisément c'est quoi l'accréditation. Donc, pour les critères pour que la ville devienne accréditée par BCT, donc premièrement, il faut maintenir des habitats de qualité pour les pollinisateurs, ce qui est déjà le cas dans la ville. On vise également à sensibiliser les citoyens et les citoyennes à l'enjeu qui concerne les pollinisateurs, donc pas seulement ici au Québec, mais à travers le monde. Il faut consigner les activités qui vont avoir été effectuées pour maintenir l'accréditation. Il n'y a pas de frais la première année. Il faut prévoir, par exemple, 500 $ annuellement ensuite pour renouveler l'accréditation. Puis les actions concrètes qui peuvent être faites par la ville pour obtenir cette certification-là, en fait, il y a beaucoup de liens qui peuvent être faits avec la reconnaissance Ville Amie des Monarques. Je ne sais pas si vous saviez, mais Sherbrooke est Amie des Monarques. Il y a beaucoup d'actions qui sont similaires, qui peuvent être mises ensemble. On peut également inclure davantage de plantes mellifères dans les aménagements. Donc, des plantes mellifères, c'est des plantes qui offrent suffisamment de pollen et de nectar pour les pollinisateurs. On peut interdire les pesticides ou insecticides. Il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements citoyens qui s'organisent en ce moment pour encourager les gens à garder les pissenlits et les fleurs pour les pollinisateurs sur leur terrain. Donc, également des programmes de sensibilisation citoyenne, distribuer des plantes gratuitement pour encourager les gens à en planter. Donc, il nous reste juste notre question. On est presque à 3 minutes pile. Donc, Ruche Campus, on serait très intéressé à aider la ville de Sherbrooke à mener plus d'actions pour aider les pollinisateurs. Et on vous pose donc la question à savoir si la ville de Sherbrooke est prête à poser des actions concrètes pour contrer ce déclin localement et devenir officiellement une ville amie des pollinisateurs. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Écoutez, je vais vous dire que ça va transiger vers la commission de l'environnement. Alors, ils vont pour se pencher sur votre question. Ils vont vous revenir avec une décision. Ensuite, les élus auront à se prononcer, à savoir s'ils veulent devenir ville amie des abeilles et, ou pollinisateurs ou peu importe. Puis à ce moment-là, merci d'être venu nous voir puis poser votre question et surtout nous sensibiliser à ce qui vous tient à cœur. Madame Baudin, allez-y. Oui, bien, je veux vous féliciter d'être venue au conseil ce soir. C'est toujours un bonheur pour nous là, quand les étudiants et étudiantes viennent ici pour nous faire des propositions. D'ailleurs, c'était à l'occasion là, du Forum Jeunesse, ou c'est comment? J'ose transformer. Oui, c'est ça, le défi J'ose transformer, là, qu'on s'était croisés.
Donc, n'hésitez pas à revenir. Puis, il y a d'autres villes, même ici en Estrie, dont j'ai entendu parler, là, qui posaient des gestes symboliques là, ou significatifs par rapport aux abeilles, comme avoir des ruches communautaires. Si je me rappelle bien, c'est Bolton Est. Oui, ils sont une ville amie des abeilles. OK. Oui. Puis ça, j'avais vu un petit reportage là-dessus, c'était super intéressant. Puis je peux vous garantir que je vais poser un geste moi-même et garder mes pissenlits. Ça va me faire plaisir de moins passer la tondeuse. Puis le mois de mai approche, je vous invite tous et toutes, renouons avec nos pissenlits, avec nos fleurs sauvages. C'est un geste... Non, mais quand on nous demande de faire moins d'efforts, finalement... Exactement. C'est pour aider l'environnement. Moi, je suis là. Alors, merci beaucoup. Mais ben, moins d'efforts, moins de tondeuses, c'est moins d'efforts dans notre vie pour pouvoir aider l'environnement. Alors, merci beaucoup, mesdames. Revenez quand vous voulez. Vous pouvez faire un suivi. Vous pouvez nous talonner pour vous assurer que votre recommandation, vous faites comme Monsieur Poirier, oui, plutôt. C'est correct de faire des suivis puis de s'assurer que les élus répondent à leurs engagements. Génial, on va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup mesdames. Bonne soirée. Et ça donne comme ça, M. Pellerin, mais vous êtes mon dernier sur la liste, mais c'est parce que vous êtes le dernier à vous être inscrit. M. Denis Pellerin. Mais plutôt. Procès-verbaux, disponibilité et travaux majeurs. Oh, c'est lancinant et pénible. Vous ne changez pas, hein? Vous ne changez pas. Je voudrais apporter une correction à ma dernière intervention quand je parlais des mises en chantier. C'était pas les chiffres de la SCHL, j'étais complètement... Il y a une bulle au cerveau. C'est de la PCHQ, donc de l'Association des constructeurs, qui disait que leur mise en chantier avait doublé, pratiquement doublé, en 2018 et 2020. Je tenais à le corriger. Le temps n'est pas parti, j'espère. Suggestion, les portes en bas des foyers et barres. Pendant la séance. C'est une séance publique. Il ne faut pas faire ça parce qu'il y a des vieux monsieur qui vont fumer à pipe des fois, puis qui arrivent pour rentrer, puis qui ne rentrent pas. Vous avez remarqué que ce n'est pas moi qui ai pris le qualificatif. Non, mais c'est déjà arrivé que je passe comme une demi-heure là à regarder la pluie, là, puis que je voulais venir après. Là. C'est pris en note, M. Pellerin, mais on le savait. Bon, c'est déjà parti. On peut recommencer. Là. Oh, oui, ça serait bien. Bon, c'est parti. OK. Au niveau des PV, je reviens sur le phénomène que les interventions des citoyens ne sont pas dans les procès-verbaux, puis qu'on a mis ça de côté, puis que je trouve que c'est pas bon. Puis un des arguments qu'on avait présenté à l'époque, c'était une question de confidentialité. Dans les procès-verbaux, en tout cas ceux que j'ai, là, qui couvrent une longue période, il n'y a jamais eu question de mettre les numéros de téléphone, il n'y a jamais eu question de mettre les adresses des gens. Qu'est-ce que j'oublie, le courriel. C'est arrivé une fois en disant que, dans les procès-verbaux, qu'il y a eu l'adresse de courriel d'un citoyen à sa demande. Je souligne que depuis que vous avez instauré, sous l'ancienne administration, ce que j'appelle la feuille de chou, là, de mettre ça de côté, les données confidentielles sont rendues publiques. Parce que c'est le même document que vous vous servez à l'interne pour rappeler le client. Là. Le numéro de téléphone, on le met en noir. L'adresse, on la met en noir. Ça ne l'efface pas. Si vous sélectionnez le rectangle noir, puis vous faites copier, puis vous allez en traitement de texte, il va déposer le numéro de téléphone. Et ça vaut pour le conseil municipal et ça vaut pour les arrondissements. Ça s'est calmé un peu en 2019, donc après 2 ans. Mais si vous allez voir les interventions du 20 décembre dernier, je pense, je suis intervenu et mon adresse de courriel est là. Ça fait que l'argument des gens de service d'affaires juridiques, là, ça fait 4 ans qu'ils sont dans le champ. Qui sont dans le champ, qui propagent des informations qui sont privées, qui ne devraient pas être envoyées au public, et qui se servent de cette confidentialité-là pour ne pas divulguer les questions et les réponses des citoyens. Bon, c'était mon premier sujet. Il me reste 52 secondes. OK. Je suis du même avis que Mme Robichaud, tantôt, dans le plénier, quand elle disait qu'il faudrait examiner les grands travaux, la répartition par district. Par exemple, en 2021, mes petits calculs personnels, dans le district du Carrefour,
il y a eu 94 $ par électeur dans les grands projets. Dans quatre saisons, il y avait 875 $ par électeur. Quatre saisons, Carrefour, ça se ressemble. C'est à la limite un peu du périmètre urbain. Il y a un certain développement qui se fait. C'est relativement comparable. Ce n'est pas comme Saint-Élie ou Lennoxville, non. Puis si vous me dites, bon, bien, sur une année, ça peut arriver. Non. 2020, Carrefour, 141 $ Quatre saisons, 640. Et j'ai mis un petit graphique sur la page Facebook du MSD. On dirait que les gens qui étaient plus près du maire à l'époque étaient favorisés. Je ne peux pas conclure que c'est une volonté politique ou qu'il y a des fonctionnaires qui font la politique, mais ça regarde étrangement pour que l'opposition se ramasse à la queue. En terminant, et votre question? En terminant, il y a le même phénomène en 2017, dans Pain solitaire, il y avait, je pense, 85 $ par électeur. Faudrait regarder ça, le regarder à chaque année, tout le temps, pour éviter qu'il y ait du favoritisme. Parce qu'on va se le dire, c'est du favoritisme. Qu'un district ait 9 fois plus de budget par habitant qu'un autre. C'est votre opinion, M. Pellerin. C'est ma conclusion. Merci. Pour répondre à votre question, à votre première question ou votre premier commentaire, c'est déjà demandé avec Maître Chabot, déjà depuis 3 semaines, de réintégrer les commentaires des citoyens, les questions posées ainsi que les réponses, à même les procès-verbaux. Alors, ça devrait arriver bientôt. Là. Oh, je vous aime. Merci, Mme la Présidente. Vous faites une bonne job. Enregistrez-le. Voulez-vous marquer la date puis l'entourer sur le calendrier, s'il vous plaît? Faites une bonne job, comme disait... Merci, M. Pellerin. Au fait, je trouve de valeur qu'on ne voit plus les hauts fonctionnaires en arrière parce qu'on ne peut pas leur faire de compliments. Ils ne sont pas là. Je ne sais pas s'ils nous suivent. Mme Boutin est en ligne parce qu'elle est retenue à la maison. Je vais faire un compliment à Mme Gravel qui fait une très bonne... job, ça va. Pas écrivez-lui. Il écoute les séances, hein, fait que gênez-vous pas si vous avez des compliments à faire. Les compliments, on a dit. J'ai pas son avis. Ça, pour des compliments, on est prêt à donner plus. On est prêt à donner plein de courriels, plein d'accès, mais pour les compliments. Merci beaucoup, M. Pellerin. Alors, c'est ce qui met un terme à notre période de questions de ce soir. Donc, on pourrait passer maintenant au bordereau de la correspondance, 6.1.1. Je propose. Merci, Mme Dauphinet. Appuyé par Mme Laroche. Ensuite, cet après-midi, on a vu donc au 7.1.1 le bilan de la programmation des travaux de réfection majeure en 2021. Madame la Présidente. Monsieur Deneau. Monsieur Jeng, appuie. Du comité exécutif du 23 mars, 7.2.1, le bilan de l'urbanisation 2021 du SPGT. Ça, on l'a vu en plénier public la semaine dernière. Je propose. Je propose. Madame Louis, appuyée par Madame Laroche. Excusez, j'ai un petit oiseau, c'est de valeur. Monsieur Poirier, soit parti. Tant que ce n'est pas une abeille, on est correct. Au 7.3.1 du comité exécutif du 30 mars, négociation de convention collective. Je propose. Madame Lefebvre. Et j'appuie. Monsieur Quibonge. 7.3.2, animation centre-ville, demande de cautionnement. Je propose. Monsieur Quibonge. J'appuie. Madame Lefebvre appuie. Et moi, je demanderai le vote, s'il vous plaît. Vous, vous demandez le vote? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Alors, Maître Martel, pouvez-vous sortir votre et appeler le vote, s'il vous plaît? C'est assez spécial qu'on demande le vote parce que vous êtes la seule qui a semblé vouloir enregistrer votre dissidence, à moins qu'il y en ait d'autres, là. Je peux enregistrer ma dissidence. C'est juste que on a eu la présentation des routes, là, cet après-midi, là. Puis on voit c'est quoi le portrait économique, là, qu'il y a devant nous. Et, tu sais, j'aimerais ça, moi, qu'on soit cohérent. Puis je trouve que ça ferait partie de la cohérence. C'est pour ça que je voulais demander le vote, mais je peux aussi seulement enregistrer ma dissidence, puisque j'ai fait un commentaire. Pas grave. Mais elle est la seule. Non, ça va, on n'appelle pas le vote. Madame Dauphinet enregistre sa dissidence. 7.4.1 du comité exécutif du 6 avril, don de la ville de Sherbrooke au peuple ukrainien. Je propose avec un commentaire. Madame Boileau.
Appuyé par Mme Loos. Mme Boileau. Le sort du peuple ukrainien touche énormément de Sherbrookeois et ce don de la ville de Sherbrooke reflète bien le sentiment des citoyens qui veulent aider. En ce moment, l'aide dont nous avons besoin est financière. Tout comme la ville, si vous voulez contribuer, il faut contacter la Croix-Rouge. Nous avons besoin d'interprètes ukrainiens aussi. Dans ce cas, vous pouvez contacter le service d'aide aux Néo-Canadiens. Nous avons besoin également d'une banque de logements à long terme. Pas des chambres, car nous en avons. Il faut que les citoyens aient des logements disponibles, qui ont des logements disponibles, communiquent également avec le CANC en précisant les informations suivantes. L'adresse du logement, le nombre de chambres, le prix. Merci de votre générosité. Merci beaucoup, Mme Boileau. 7.4.2, calendrier des séances publiques des commissions pour l'année 2022. Je propose avec un commentaire. Mme Boileau. Monsieur Kibonge, Mme Boileau. C'est le début des travaux devant public. Nous avons travaillé très fort dans les derniers mois afin d'élaborer une formule permettant aux commissions d'être plus transparentes et vous verrez dans les prochaines semaines le résultat de nos efforts. Évidemment, c'est un premier pas. Nous essayons une nouvelle formule. Soyons bienveillants envers nous-mêmes et nous nous adapterons au fur et à mesure. Je suis fière du travail accompli, de la collaboration entre tous les élus et avec les fonctionnaires également. Merci. Merci, Mme Boileau. 7.4.3, adjudication de l'appel d'offres 15-565, service d'un entrepreneur en soudure pour des travaux généraux d'entretien. Je vais le proposer, Mme la Présidente. M. Deneau. Je vais l'appuyer, Mme la Présidente. Appuyé par M. Kibonge. 7.4.4, adjudication de l'appel d'offres 15-584, travaux de marquage longitudinal de la chaussée avec des produits à base d'eau. Je vais le proposer. Mme Godbout. Je vais l'appuyer. Commentaire, Mme la Présidente. Monsieur Deneau. Commentaire que dans plusieurs dossiers, on fait souvent. Là. Je suis convaincu qu'on se doterait d'un pouvoir d'achat encore plus intéressant si on irait en appel de proposition à partir de l'automne versus au printemps, la veille de l'exécution des travaux. Je pense qu'on peut parler à n'importe quel entrepreneur actuellement avec la surchauffe du marché. Ça a un impact direct sur le prix. Puis je pense que ce secteur d'activité-là ne fait pas exception. Merci. Monsieur Drouin hoche du bonnet, donc c'est bien pris en note. 7.4.5, adjudication de l'appel d'offres 15-555, acquisition d'une nacelle articulée télescopique sur porteur à chenilles. Ben, je vais le proposer. Je vous appuie, madame. Merci, M. Charron. 7.4.6, adjudication de l'appel d'offres 15-532, location de camions aspirateurs et écureurs opérés. Je vais le proposer. M. Charron. Et je vais l'appuyer, madame. M. Kibonge. 7.4.7, adjudication de l'appel d'offres 15-564 pour la location de grues télescopiques avec opérateurs pour les saisons 2022, 2023 et 2024. Je propose. Je l'appuie. Parfait. M. Kibonge, appuyé par Mme Laroche. 7.4.8, adjudication de l'appel d'offres 15-585, acquisition de disjoncteurs de 25 kilovolts. Kilovolts. Je propose. Mme Lorletarte-Lavoie. J'appuie. Appuyé par Mme Loos. 7.4.9, adjudication de l'appel d'offres 15-602, acquisition de transformateurs de distribution triphasés sur socle 750 kV ampère. Je propose. C'est bon, ça? Ça doit être ça. OK. Qui le propose? Monsieur Charron, puis c'est appuyé par Monsieur Jeng. Parfait. 7.4.10, appel de projet en développement des collections des bibliothèques de Sherbrooke pour Eva Sénécal, Bertrand Delisle et Saint-Élie. Je propose, Madame la Présidente. Madame Robichaud. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyée par M. Kibonge. 7.4.11, dépôt du bilan 2021 et du plan d'action 2022-2024 en accessibilité universelle de la ville de Sherbrooke. Ça a été présenté en plénier public la semaine dernière. Je propose avec un commentaire. Madame Boileau. Et je vais l'appuyer. Appuyée par M. Deneau. Mme Boileau. En tant que présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, je me réjouis que Sherbrooke se tourne vers l'accessibilité universelle. Avec ce plan d'action, ce qu'on veut, c'est adapter nos infrastructures de façon à ce que les handicaps n'en soient plus. Enfin, l'accessibilité est synonyme de liberté et d'autonomie pour les Sherbrookoises et les Sherbrookois. Par ce plan, nous démontrons une volonté claire de faire de notre ville un endroit où chacun et où chacune peut vivre, se déplacer et s'amuser. Merci. Merci beaucoup, Mme Boileau.
Présentation des bilans de l'état des infrastructures urbaines, des réseaux de chaussées, piétonniers et conduites d'eau potable et d'égouts. Ça a été présenté en plénière publique aujourd'hui. Rosée. Madame Godbout. Je seconde. Madame Boileau, seconde. Dépôt du bilan de la deuxième année de la collecte des résidus encombrants sur inscription. Ça a été présenté au plénière la semaine dernière. Proposé. Madame Godbout. Je vais l'appuyer. Madame Dauphinet, appuie. Madame la Présidente. Oui. J'aurais un petit commentaire, question. Allez. Au niveau des communications pour les résidus encombrants sur inscription, j'ai eu un flash aujourd'hui en passant dans les rues. Est-ce que les universités, les cégeps sont mises au fait qu'ils peuvent appeler la ville pour qu'ils puissent venir ramasser les encombrants? Je ne l'ai pas vu vraiment dans l'annexe 1 au niveau des communications. Okay. Et puis, si eux ne le savent pas, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Ils quittent à tout moment donné au terme de leur session. Mm-hmm. Donc, j'ai déjà commencé à avoir des matelas et des petits meubles de chambre. Donc, je voudrais juste m'assurer là, qu'on en fasse part au com et qu'on nous revienne avec ça. Parfait. Juste pour qu'on les atteigne aussi. Merci. Madame Lefebvre. En réponse à M. Jung, oui, dans la présentation, on nous a dit qu'il y avait des interventions qui étaient faites avec les institutions d'enseignement, donc cégep, université, pour sensibiliser les étudiants, mais c'est sans doute à retravailler. Et la répétition, c'est on a pris bonne note et on fera un suivi à ce sujet-là. Merci, Mme Lefebvre. Merci, M. Jung. Comité exécutif du 13 avril 2022, 7.5.1, processus de demande d'appui au projet Programme d'habitation abordable du Québec. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, en huis clos, nous. On aurait dû le voir en public. C'est une erreur qui s'est glissée. La faute à qui, regardez, c'est pas important de trouver qui et pourquoi. Donc, on l'a vu en plénier huis clos, on aurait dû le voir en public. Donc, qui le propose avec une légère explication, peut-être? Qui le propose? Je peux le proposer. Monsieur Kibon? Je vais te laisser dans ce cas. D'accord. J'appuie. Et Mme Lou s'appuie. J'appuie sur le bouton. Monsieur Kibon? Dans le fond, c'est un projet qui porte sur le nouveau programme d'habitation abordable du Québec, le FAC, qui vient remplacer Accès Logis. Et c'était pour voir comment est-ce qu'il s'est intégré dans les politiques pour lutter contre la crise du logement et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller chercher le maximum d'aide que possible un peu partout. Merci, M. Kibonge. 7.5.2, donc appui et financement des projets réalisés dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Ça aussi, on l'a vu en plénier huis clos aujourd'hui. On aurait dû le voir en public. M. Kibonge? Je le propose. J'appuie. Appuyé par Mme Lavoche. Je peux peut-être juste faire un petit complément. Oui, allez. En fait, juste pour dire aussi, vous savez là, qu'on a voté au budget un 4 millions, justement pour pouvoir supporter des projets de logements sociaux, de logements coopératifs, de logements abordables sur le territoire. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans le pipeline, en bon français, de ces organismes-là, donc de l'OMH, des coopératives d'habitation, ainsi que des OBNL, et qu'on va prioriser de donner notre 4 millions à ces projets-là afin que ça demeure dans le giron public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Yves Denis, le moment est arrivé, à savoir si les élus assis autour de cette table vous nommeront officiellement comme notre prochain vérificateur général. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Luce. Je vais l'appuyer. Appuyé par Madame Godbout. À l'unanimité, bienvenue chez nous. Merci, monsieur. Félicitations. 7.5.4, réorganisation du service des ressources humaines. Je propose. Madame J'appuie. Lefebvre et Madame Luce appuie. Je mets ma dissidence, moi, Madame la Présidente. Parfait. Madame Robichaud a inscrit sa dissidence. Est-ce qu'il y en a d'autres? Excusez, il faut que j'arrête de demander cette question-là. 7.5.5, horaire de travail de poste de technicien et de technicienne senior en arpentage. Je propose. Madame Le Tartre-Lavoie, appuyez. Je vais l'appuyer. Madame Dauphinet. Horaire de travail d'un poste de technicien et technicienne en infrastructure de parc. Je propose. Madame Dauphinet. Et j'appuie. Appuyé par M. Kibonge. Horaire de travail des secrétaires réceptionnistes au service des communications. Je le propose. Je l'appuie. Madame Le Tartre-Lavoie, merci. Elle appuie. 7.5.8, mise à jour de la politique administrative de remboursement des frais de déplacement.
Je propose avec un commentaire. Madame Le Tartre-Lavoie. Et j'appuie. Monsieur Quibon, j'appuie. Madame Le Tartre-Lavoie. Oui, donc c'est dans le contexte actuel d'augmentation des coûts de l'essence. Donc, la politique de remboursement de frais de déplacement et les taux de remboursement des salariés de la ville ont été revus. Donc, l'indemnité pour le kilométrage a été ajustée à la hausse. On a aussi beaucoup discuté là, en comité exécutif des déplacements effectués à l'extérieur de la ville pour que l'option du transport en commun soit mise de l'avant et privilégiée. Donc, maintenant, les modalités de frais de déplacement ont été modifiées pour qu'elles soient plus avantageuses pour la ville, tant sur le plan environnemental que financier. Et puis, c'est intéressant aussi de savoir qu'au-delà des ajustements proposés aujourd'hui, il y a une phase 2 qui est en élaboration, en collaboration avec le Bureau de l'environnement, sur la façon dont la ville de Sherbrooke pourrait mettre de l'avant des moyens innovants afin de devenir un exemple à suivre en ce qui a trait à la mobilité de son personnel. Merci beaucoup, Mme Le Tartre-Lavoie, pour faire un petit retour sur la question de M. Jeng. Donc, Mme Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l'environnement, me dit que le bureau travaille avec les associations d'étudiants et que Mme Boutin confirme que ça fait partie du plan de communication. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. 7.5.9, émission d'obligation de la ville de Sherbrooke au montant de 49 064 000 $. Je propose. Tout le monde se garoche pour vrai. C'est fun. Non, mais Mme Dauphinet, c'est bon. Mme Dauphinet. Appuyé par M. Jeng. Parfait. 7.5.10, émission d'obligation de la ville de Sherbrooke, approbation d'une somme de 1 993 452 pour réduire des refinancements d'emprunt de 9 658 000 $. Je propose. Madame Dauphinet. Et je seconde. Monsieur Jeng. 7.5.11, travaux à être annulés et réduction du montant prévu sur le règlement d'emprunt numéro 827, 982, 1053, 1144 et 1199. Je propose. Monsieur Jeng. Mais je vais vous appuyer. 7.5.2, adjudication de l'appel d'offres 15-616, qui est de la fourniture d'emprunt granulaire MG20B modifié. Je propose. Madame Laroche. Je seconde. Et M. Jeng. 7.5.13, adjudication de l'appel d'offres 15-534, travaux de réfection des fondations du drainage et de portes d'accès de l'Hôtel de Ville. Je propose. M. Jeng. Madame Godbout. 7.5.14, adjudication de l'appel d'offres 2021-058, service professionnel pour la démolition et la reconstruction de la piscine à la Clairefontaine du parc Victoria. Je vais le proposer. Merci, Madame Dauphinet. Et je vais l'appuyer. 7.5.15, adjudication de l'appel d'offres 2022-012, service professionnel pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructures d'Acaduc et d'Égout pour 5 projets d'amélioration locale. Je vais le proposer, Madame la Présidente. J'appuie. Excusez. Déclaration des intérêts. Madame Lefebvre appuie. Déclaration de mes intérêts, vu que mon conjoint travaille pour la firme. Parfait. Donc, Madame Robichaud déclare son intérêt. 7.5.16, excellence sportive, renouvellement de la convention 2022-2025. Proposé avec un commentaire, Madame la Présidente. Madame Robichaud. Monsieur Jeng, Madame Robichaud. Oui, bien, je tiens à souligner, dans le fond, de l'importance d'excellence sportive là, dans le développement des athlètes de tous les niveaux. Et on l'a bien vu la semaine dernière là, avec l'hommage qui leur a été fait, organisé tant par la Ville que ESS et les Phoenix. Les athlètes ont bien apprécié le support financier que ESS, financier et collaboration avec différents services de massothérapeutes, physiothérapeutes, alimentation et tout. Là, donc, les gens m'ont beaucoup remercié au nom de ESS. Merci, Mme Robichaud. 7.5.17, convention de prêt de locaux pour le club gymnastique Cher Gym de Sherbrooke. Je propose aussi. Mme Robichaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Dauphinet. 7.5.18, dépôt au programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'immigration, donc le MIFI, demande de soutien à la ville de Sherbrooke. Je propose. Mme Luce. Je seconde. Mme Boileau, seconde. 7.5.19, renouvellement du plan de visibilité du Phoenix pour la ville de Sherbrooke. Je propose avec un commentaire. Madame Robichaud. J'appuie. Et Monsieur Quibonge. Et je vais enregistrer ma dissidence. Madame Dauphine enregistre sa dissidence. Madame Robichaud. C'est sûr que pour le Phoenix, là, c'est important ce plan de visibilité-là avec la ville, mais j'aimerais que les services fassent juste un... Moi, j'ai regardé le plan de visibilité et ce qui était offert dans les obligations et tout ne concorde pas vraiment, là, donc peut-être juste jeter un coup d'œil, que ça soit uniforme.
Oui, bien effectivement, c'est important quand on fait une entente, peu importe qui c'est, que quand on leur demande des trucs, bien, qu'ils rentrent dans vraiment dans ce qu'on leur demande comme exposure. Pardonnez-moi l'anglicisme. Merci, on en a pris bonne note. Le point 7.5.20, programmation des travaux de réfection 2022. On a vu ça cet après-midi. Je propose. Madame Boileau. J'appuie. Appuyée par Madame Lousse. Madame Boileau, vous n'avez pas de commentaire, parfait. On en a assez fait tantôt. 7.5.21, Sherbrooke-Innopol, avenant numéro 2 à l'entente de délégation 2021-2023. Je propose. Madame Lefebvre? Appuyée par Madame Godbout? Parfait. Oui. 7.5.22, destination Sherbrooke, avenant numéro 2 à l'entente de délégation 2021-2023. Je propose. Madame Lefebvre? L'appuyer. Madame Godbout? 7.5.23, destination Sherbrooke, contribution municipale à des fonds de développement ou de subvention. Je propose encore. Et Mme Godbout, vous l'appuyez encore. Oui. J'aurais un commentaire. J'aimerais ça si on pouvait nous revenir, là, parce qu'il avait été suggéré de prendre l'argent d'accumuler dans les fonds pour peut-être faire des nouvelles contributions. J'espère que je suis au bon. Non, parce qu'on ne l'a pas parlé, on n'en a pas parlé de ce dossier. Il n'a pas été ajouté. 7.5.21, on n'est pas là? Non, on est à 5.23. Excusez. 0.23. OK, désolé. Ben, c'était pour votre commentaire à Sherbrooke-Innopol. On peut le prendre pareil. 5.24, désolé. Parfait. 7.5.24, Sherbrooke-Innopol, contribution municipale à des fonds de développement ou de subvention. J'ai proposé. Madame Godbout. Et Madame Lefebvre, vous allez appuyer. Madame Dauphiné, c'est là. Vous pouvez faire votre... C'était juste, j'aimerais ça qu'on regarde pour le futur, peut-être, voir s'il y avait des possibilités là, de prendre l'argent, d'accumuler dans les fonds, au lieu d'en remettre, de remettre des nouvelles sommes à chaque année. Juste qu'on nous fasse un petit suivi là, là-dessus. Parfait. 10.1, dossier de la mairie. Donc, le 10.1... Oh, je ne l'avais pas ajouté à ma feuille. 7.5.25, donc récupération et traitement des résidus granulaires. L'appel d'offres 15-611. Propose. Monsieur Geng? Je l'appuie. Appuyé par Madame Lefebvre. Bon, je l'avais. Voyez-vous, quand je ne le marque pas tout de suite, je l'oublie. 10.1.1, gestion loisirs plus, nomination des membres. On ne le passe pas? Bien là, je ne peux pas tout oublier, là. Merci. 10.1.1, gestion loisirs plus, nomination des membres observateurs de la ville de Sherbrooke. Je propose. Madame Robichaud? J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur Kibonge, est-ce qu'on peut nommer les personnes, s'il vous plaît? Oui, c'est Madame Anne Godbout qui va être là en tant que membre observatrice et puisqu'elle est présidente de notre arrondissement. Parfait. En compagnie de M. Nicolas Vanas. Oui. Exact. 10.1.2, nomination au conseil de direction d'Hydro-Sherbrooke. Je vais proposer. Madame Godbout, je vais vous appuyer. Est-ce qu'on peut nommer les deux personnes, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, les deux personnes nommées sont Mme Hélène Dauphinet, présidente, et Laure Letarte-Lavoie, membre du conseil de direction. Dans le fond, on voulait donner là, une période de jusqu'à la mi-mandat là, pour réévaluer. En fait, il y a un travail de gouvernance là, à faire aussi du côté d'Hydro-Sherbrooke. Donc, on va regarder les différentes options, puis de siéger pendant 2 ans. Ça va nous permettre d'avoir une lecture d'élu aussi sur ce service-là qui est offert à la ville de Sherbrooke. Je vous remercie, Madame la mairesse, de m'avoir nommée là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 10.1.3, nomination comité du fonds du legs des Jeux. Je propose. Du Canada, pardon. J'appuie. Monsieur Kibon, j'appuie par Monsieur Geng. Alors, seront nommés Madame Nadia Robichaud, présidente de la commission, et Monsieur Guillaume Lirette-Gélinard, comme représentant de la ville de Sherbrooke au comité des fonds de legs du Jeu du Canada, pour une durée maximale de transitoire d'un an. Merci. 10.1.4, nomination Excellence sportive Sherbrooke. Il faudra ajouter un nom sur le banc, Mme Joannie Bellerose. Alors, qui propose? Madame. Proposer.
Madame Le Tartre-Lavoie. Je vais appuyer. Appuyée par Madame Dauphinet. Pouvez-vous nommer les noms, s'il vous plaît, Madame? Donc, on désigne Madame Nancy Robichaud et Joanie Bellerose, ainsi que Nicolas Vanasse, pour être membre à Excellence sportive Sherbrooke. Merci beaucoup. 10.1.5, nomination au comité organisateur de la finale des Jeux du Québec hiver 2024. Madame Godbout. Et je vais appuyer. Appuyée par Monsieur Quibonge. Madame Godbout. Donc, on nomme Mme Nancy Robichaud, représentante de la ville au comité organisateur. Et là, ce n'est pas temporaire, c'est jusqu'en 2024. C'est ça. Oui. Parfait. 10.1.6, nomination au comité conjoint du parc du Mont-Bellevue. Je peux proposer. Mont-Bellevue? Monsieur Jean? Ben, non, mais... Madame Le Tartre-Lavoie. Je peux proposer. Appuyé par Monsieur Deneau, parfait. Madame Le Tartre-Lavoie. Donc, on désigne Monsieur Paul Jeng et Madame Geneviève Laroche pour être représentants de la ville de Sherbrooke au comité conjoint pour une durée maximale transitoire d'un an. Et il faut retirer de la recommandation que l'organisme soit mandaté pour réviser ses règlements généraux afin de retirer les élus de son conseil d'administration. Merci. Oui, mini-fée, allez-y. Bien, je veux juste dire que je suis très heureuse de siéger à ce comité-là. Moi, j'ai pratiquement grandi dans le Mont-Bellevue. J'ai été élevée dans cette montagne-là. Fait que ça va me faire plaisir de contribuer, même pour un court laps de temps, avec mon collègue Jean. Parfait. Merci, Mme Laroche. Merci. Moi, je suis allée camper à la ferme Gagnon quand j'étais jeune. Je voulais juste rappeler que c'est un comité de bienveillance, dans le fond. Oui. Avec l'Université de Sherbrooke, le Mont-J.S. Bourque, le Mont-Bellevue, la ville de Sherbrooke, siège sur ce comité-là. La vice-rectrice à l'administration et développement durable, avec une conseillère en éducation et développement durable, un adjoint au vice-rectorat à l'administration et au développement durable, Ingrid Dubuc, la directrice du bureau de l'environnement. On invite à l'occasion la direction et la présidence du regroupement du parc du Mont-Bellevue. Donc, c'est une espèce de comité de bien... juste pour voir à ce que tout fonctionne comme il faut. Et évidemment, on a travaillé un peu plus sur la demande de réserve, de zone réserve, voyons. Naturelle, réserve naturelle. Non, réserve naturelle au MELCC, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On n'a pas de réponse toujours, mais on a fait une très belle équipe. Alors, je suis content que ma collègue Geneviève se joigne à nous. Merci. Merci beaucoup, M. Jeng. Donc, ce service des sports, de la culture et de la vie communautaire, 14.3.1, abrogation et modification de la résolution CM 2022-7126, aide financière aux événements. Je propose, Mme la Présidente. Mme Robichaud. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Godbout. Maintenant, au service de la planification et de la gestion du territoire, demande d'autorisation auprès de la CIPTAC afin d'aliéner et de lotir une partie des lots 3 101 860 et 3 101 862 du cadastre du Québec, chemin de la Rivière dans l'arrondissement de Brompton, Rock Forest, Saint-Élie-Deauville. Je propose. Madame Boileau. J'appuie, puis je peux peut-être faire un mini-commentaire. Allez-y. En fait, c'est un dossier qui aurait dû passer normalement en comité consultatif agricole, qui va... les nominations vont être d'ailleurs faites au prochain conseil. Et comme c'est un dossier qui ne comportait pas, là, on ne perd pas de superficie de terre agricole où on ne change pas les usages pour cette terre-là. C'est vraiment une question de redéfinir deux terrains. Il n'y avait pas d'enjeu, donc on l'a amené directement ici pour que ça puisse se régler plus rapidement, là. Merci, Mme Laroche. Bureau de l'Environnement, 15.5.1, rapport du BAP, enquête sur la gestion des résidus ultimes sur le territoire québécois. On a vu ça en plénier la semaine dernière. Je propose. Mme Lefebvre. Je m'appuie. Appuyée par Mme Le Tartre-Lavoie. 15.6.1 du Bureau de la coordination de développement économique, dépôt des plans d'action 2022 de Sherbrooke-Innopol et de Destination Sherbrooke. Je propose. Mme Lefebvre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Godbout. On a vu ça également la semaine dernière. Adoption de règlement. Maître Martel. Oui, donc le règlement numéro 1200-174, modifiant le règlement numéro 1200 du zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, la zone H0323, la rue Richard, la ville de Sherbrooke, par Mme Geneviève Mathieu.
Ce règlement vise à ajouter à la grille des usages et des normes de la zone H0323 l'usage REC 101, jardin communautaire, de même que les normes relatives au bâtiment principal et les normes d'implantation applicables pour cet usage, afin de permettre l'aménagement d'un jardin communautaire à l'angle de la rue Richard et du boulevard Lionel-Gros. Merci. Proposeur-appuyeur? Propose. Madame Loos? J'appuie. Madame Le Tartre-Lavoie? Maintenant, autre règlement, avis de règlement et dépôt des projets de règlement, donc le 17.1.1, avis de règlement du projet 1202-3, modifiant le règlement numéro 1202 sur les permis et certificats de la ville de Sherbrooke. Prenez avis qu'une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption. Le règlement numéro 1202-3, modifiant le règlement numéro 1202, sur les permis et certificats de la ville de Sherbrooke, de manière à ajouter au tarif actuel un montant de base de 100 $ au permis d'une nouvelle construction, au certificat d'autorisation pour la démolition d'un bâtiment ou d'un immeuble ayant une valeur patrimoniale, à la construction d'un mur de soutènement, à l'aménagement d'une aire de stationnement ou de transbordement et des travaux de remblé et de déblai. Merci, M. Jeng. Je ne me souviens jamais, est-ce que ça prend un appuyeur, un proposeur? Non, merci. On y va au 17.4.1, présentation du projet et avis de motion de règlement 1251-1, modifiant le règlement 1251, étant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus et élus de la ville de Sherbrooke. Je propose. Je crois que c'est un premier avis. Ah, OK, je vais lire. Alors, premier avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement 1251-1, modifiant le règlement 1251, étant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Sherbrooke afin de prévoir de nouvelles définitions, mentionner les règles visant le respect, s'appliquant également envers les membres du personnel du cabinet, préciser qu'en plus de la réputation de la ville et des employés, tout membre doit également préserver celle des autres élus ainsi que celle des membres du personnel du cabinet, prévoir le cas où un cadeau ou un don est remis à un élu mais destiné à la ville et mettre en place des mécanismes de règlement des différends. Okay. J'arrive à l'autre point. 17.4.2, présentation du projet et avis de motion du règlement 1256, code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la ville de Sherbrooke. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement 1256 adoptant le code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la ville de Sherbrooke qui prévoit des définitions que ce code s'applique à tous les membres du personnel du cabinet, que les valeurs suivantes doivent gouverner les conduites des membres du personnel du cabinet, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité, la loyauté envers la ville, la recherche de l'équité et l'honneur attachés aux fonctions des membres du personnel du cabinet. Des règles de conduite encadrant notamment l'obligation d'accomplir son rôle avec professionnalisme, vigilance et discernement, l'obligation de favoriser l'intérêt public, le respect de la dignité, le droit de la vie privée et de la réputation de toute personne, le respect et l'ouverture face à la différence, la collaboration dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, la protection de la réputation de la ville en agissant de manière intègre, le respect de la réputation de la ville et de ses intervenants lors des déclarations publiques, l'obligation d'agir de manière objective, équitable et indépendante dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le respect des lois, des règlements en vigueur ainsi que des résolutions, des politiques, des directives et des procédures de la ville, la prise de décision au nom de la ville, les situations de conflit d'intérêts, la réception d'avantages, dons et marques d'hospitalité, l'utilisation des ressources de la ville, la confidentialité et l'après-mandat, l'abus de confiance et la malversation, l'interdiction d'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation de projets, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la ville, la formation, la déclaration écrite des intérêts pécuniaires des directeurs de cabinet, les mécanismes de contrôle et sanctions possibles aux manquements déontologiques et pour finir, le mécanisme de règlement des différends. Merci, M. Kibonge. Merci. Alors, nous sommes rendus maintenant au message des élus. Ça va bien? Merci beaucoup. Madame Côté est très contente. Madame Lefebvre, vous allez me partir le bal ce soir. Vous avez 3 minutes et je compte les secondes.
Non, non. Je sais que mais vous me surveillez de près. Non, pour tout le monde, pour tout le monde. Allez, Madame Lefebvre. Ça va se résumer à un sujet aujourd'hui. C'est que vendredi, ce sera la journée de la Terre, le 22 avril. Et à mon sens, ça devrait être tous les jours, la journée de la Terre, pas juste le 22 avril. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Je voulais quand même signaler qu'il y a plusieurs activités qui vont se faire dans Sherbrooke. Je vais en citer deux. J'imagine que mes collègues en connaissent d'autres puis vont compléter. Alors, on a la troisième conférence d'une série de quatre qui va se dérouler à Cercovie à 19h, qui est organisée par le CRE, le Bureau de l'Environnement et la Société d'Histoire. Alors, cette fois-ci, on va parler de Sherbrooke et l'environnement, l'humain au cœur de son environnement. Alors, c'est tout à fait à propos. Il y a aussi, puis là je vais peut-être laisser mes collègues de Lennoxville développer, il y a une soirée festive qui va se dérouler à Lennoxville, donc la Belle Verte, de 16h à minuit, sur la terre d'un écolieu en émergence en bordure de la rivière Saint-François. Alors, il y a plein d'intervenants qui vont être là, ça va être assez intéressant. Et puis, pour cette journée de la terre, je propose, moi j'aime ça, mettre des défis aux citoyens. Alors, je donne un autre défi. c'est d'implanter un geste significatif environnemental de plus, mais pas juste ce jour-là, dans le quotidien pour tout le reste de la vie. Ça peut être prendre un peu plus son vélo, acheter plus en vrac, faire un potager, utiliser des produits ménagers écologiques, ne plus utiliser d'objets, ou en tout cas diminuer le nombre d'objets polluants à usage unique. Et puis, j'avais noté le défi pissenlit. Donc, on ne sort pas sa tondeuse avant le mois de juin. Puis moi, j'arrive jusqu'à la mi-juin. Mais c'est peut-être à Saint-Élie, ça, je ne sais pas. À propos des objets polluants à usage unique, petit rappel, c'est que à partir de vendredi, donc les sacs plastiques seront à nouveau interdits dans les commerces. Alors, j'invite tout le monde à rappeler gentiment aux commerçants, s'ils ont oublié la date, de leur dire qu'il faut passer aux sacs en papier ou encourager les gens à apporter leurs sacs réutilisables. Voilà. Merci, Madame Lefebvre. Pour pas que je vous oublie, Monsieur Charron, je vais vous faire parler tout de suite. Mais à moins que vous ayez rien à dire, là. Un petit message. Allez-y. On a un événement à Lennoxville, l'ensemble de vins de Sherbrooke viennent à l'Université de Sherbrooke. Donc, on a une visite, donc ça va être le 24 avril, à 3h de l'après-midi, au Centennial. So, ensemble de vins de Sherbrooke will be coming at Bishop's University on April 24th at 3 p.m. So, everybody's invited. Thank you. M. Charron, M. Jeng. Merci de l'invitation, M. Charron. Merci, Mme la Présidente. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup d'appels et des gens qui aperçoivent des gens marcher avec leurs chiens sans laisse. Alors, c'est le jour de la marmotte, même si il est question de chiens. Alors, je demanderais à toutes les Sherbrookoises et Sherbrookois, même si votre chien, votre chienne est bien dressé, bien élevé, ça demeure des animaux. Les gens ont très peur de ça, et puis je pense qu'on a un effort à faire de ce côté-là. Ce soir, c'est la dernière d'une institution à Sherbrooke. Ça a été ouvert pour l'occasion. C'est la dernière du bar Le Loubar avec un S, puisque c'était le deuxième Loubar. Alors, je veux saluer cet endroit-là qui a fait danser les gens sur des rythmes latinos, a donné la chance à des musiciennes, des musiciens de peaufiner leur acte, de pratiquer leur art, et ça pendant plusieurs années. Alors, un merci et félicitations tout particulier à Christian Fournier, Mario Coulombe et Marc Thibault, un ancien de la ville de Sherbrooke, qui à l'époque s'occupait des concerts de la cité, avant que ça s'appelle ça. Je profite de l'occasion aussi pour souligner que ce bar-là est un passeur de culture incroyable et la conductrice de ça était évidemment, Sylvie Luce Bergeron et son émission Art d'œuvre, 19 ans. 19 ans d'art d'œuvre qui fait découvrir les artistes, les artisans de partout en Estrie, de Sherbrooke surtout.
Et qui faisait l'émission les mardis soirs. Alors, je n'étais pas content qu'on change de soir pour le conseil municipal, mais quand même, bien, on ne peut pas tout avoir. Alors, je voudrais féliciter Sylvie et CFLX pour cet exploit. Et du même coup, ce soir, pour l'occasion, c'est l'anniversaire, le 80e anniversaire de naissance d'un grand capitaine, Jean-Jacques Beauchamp, musicien hors pair qui a été un mentor pour bien des musiciens en ville, dont moi. Alors voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez parfait ma culture ce soir. Monsieur Jean-Jacques Beauchamp, 80. 80. Madame Sylvie Luce, 19 ans, imaginez. Oh, pas l'air. Madame Le Tartre-Lavoie. Oui, donc, tel que mentionné plus tôt par Madame la Présidente, nous portons l'épinglette verte ce soir en raison de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui va se tenir la semaine prochaine. Près de la moitié des Québécois se sont inscrits pour être donneurs à leur décès, mais cela reste rare parce qu'il faut des conditions particulières. Pour chaque donneur, c'est 8 personnes qui peuvent être sauvées, alors ça vaut la peine, parlez-en à vos proches afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée le moment venu. Je profite en fait de ce thème pour relancer le nouveau concept du défi de la mairesse, question de créer des liens entre nous. Je ne vous demanderai pas de donner un organe ce soir. Donc, à notre dernière séance du conseil municipal, la mairesse m'a lancé le défi de venir au conseil à vélo. J'avais déjà sorti mon vélo depuis quelques semaines. Donc, elle m'a demandé de venir sous la pluie. Donc, j'ai voyagé à vélo durant une réunion la semaine dernière, durant les journées de pluie, et je suis venue ce matin, cet après-midi, malgré la pluie et la neige de ce matin. Mais quand je suis sortie, finalement, il n'y avait pas de pluie, pas de neige, mais il ventait pas mal fort. J'ai été secouée par les feuilles et le vent. J'ai eu peur d'être bousculée, mais ça a bien été, je me suis rendue. Donc, pour le prochain défi, je cherche à créer des liens dans le sang. Donc, n'ayez pas peur, ce ne sera pas un rituel chamanique. J'invite Christelle Lefebvre à venir donner du sang avec moi à la collecte... Tu quoi? Je ne peux pas. Tu peux pas? Et non, parce que mon sang est impropre. C'est ça. Il est impropre à la consommation au Québec. OK, bon. Ben, Monsieur Pogeng, voilà. Est-ce que vous êtes... Mon Dieu, on a beaucoup de sang impropre autour de ce conseil. Et pourtant, j'ai été donneuse en Belgique. J'ai au moins fait 150 dons déjà, mais sinon. OK, bien, Madame Nancy Robichaud, est-ce que vous pouvez... Non, mais j'essaie de créer des liens, là. Marc Denon. Je peux pas donner de sang à cause de ma condition physique. Robert Pouliot. Madame Dauphiné, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez donner du sang? Il y a M. Charon. OK, bravo. Bien, M. Charon, est-ce que vous pouvez donner du sang? C'est pas moi, on me refuse. Hey, c'est une vraie blague. OK, bon. On va y aller. Moi, je peux, ça fait longtemps que j'en ai pas donné, fait, je vais y aller. Vraiment, j'ai jamais pensé que ce soit aussi difficile. Donc, merci, Mme Berthold. Alors, vous aurez le défi de relancer quelqu'un d'autre au prochain conseil. Attention, les as! Attention! Mais je m'engage à vous accompagner en soutien moral. C'est bon. Ça la douzaine de beignes qui vient avec le don de sang. Pas de problème. Donc, pour terminer dans le thème des dons d'organes, de tissus et de sang, je vous invite également à vous inscrire comme donneur et donneuse de cellules souches. La greffe de cellules souches est souvent la dernière chance d'une personne de vaincre une maladie grave. Un don de sang peut sauver plusieurs vies, comme on a dit tantôt, mais un don de cellules souches, lui, ça doit être fait par un donneur spécifique pour sauver la vie d'un receveur spécifique. Donc, il faut une combinaison parfaite et unique entre un donneur et un receveur. Donc, chaque année, ce sont des milliers de patients qui comptent sur le registre des donneurs de cellules souches pour trouver un donneur compatible. Je me suis inscrite il y a quelques années. J'ai envoyé, je pense, un échantillon de ma salive et maintenant, j'attends. Je pourrais ne jamais être contactée ou l'être dans 5 ans, dans 10 ans, mais peu importe, chaque inscription compte parce que vous pourriez être la seule personne en mesure de sauver la vie de quelqu'un gravement malade. Je vous invite donc à visiter le site d'Emma Québec pour en savoir davantage. Merci. Merci beaucoup, Laure. Madame Luce? Bien, on dit qu'ici au Québec, on a deux saisons, n'est-ce pas? L'hiver et la saison des travaux. Fait qu'aujourd'hui, on a annoncé, la saison des travaux. Elle est ouverte. Et puis, alors, je voulais dire aux citoyens du district du Carrefour que je vais publier dans les réseaux sociaux la liste des travaux qui vont se faire dans notre district. On va aussi rendre ça disponible en arrondissement.
Et aussi, c'est vrai qu'avec le printemps qui arrive et une vague pandémique nous permettant un peu plus de liberté, ben, on annonce aussi les festivités qui commencent. Et puis, on en a besoin aussi beaucoup après deux années où tout était très restreint. On ressent vraiment le besoin de se rassembler, de rencontrer les gens, d'être à l'extérieur. Fait que ça va faire du bien. Alors, le dimanche, le 24 avril, on va avoir la deuxième édition de la fête de cabane à sucre au parc André-Vigée. C'est une fête que je pense que ça avait été l'idée de l'ancienne conseillère municipale du district, maintenant la mairesse, qui avait été portée par les amis du parc André-Vigée. Alors, encore une fois, c'est eux autres qui vont nous présenter cette fête-là, qui va avoir lieu au parc André-Vigée le 24 avril, dimanche, de 10h du matin à 14h. Puis va voir la tire d'érable, va pas voir la bouffe cette fois-ci, mais va voir la tire d'érable, de popcorn à l'érable, va voir une mini-ferme. Alors, c'est une fête super familiale. Puis vraiment des citoyens super engagés là, qui sont tout le temps au parc, là, qui s'approprient vraiment de leur espace, qui planifient puis qui organisent cette fête. Alors, c'est très stimulant. Alors, je vous invite à être nombreux. Et bon, c'était tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame Laroche, tiens. Oui, donc quelques petites nouvelles en vrac. En fait, pour faire une continuité au point de Christelle sur le jour de la Terre, le 22, il y a aussi le 23 avril, ce samedi, une activité de Action Saint-François. Donc, j'imagine que tout le monde connaît l'organisme qui fait des activités de nettoyage depuis nombre d'années. Puis, j'avais allé contacter pour quelque chose, ils m'ont suggéré une belle idée. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait par le passé, mais ils aimeraient bien organiser une journée de nettoyage pour les élus. Puis, je trouve que ce serait vraiment intéressant, pas ce samedi, évidemment, mais si ça vous va, je pourrais vous contacter pour essayer de trouver un moment où on pourrait aller faire une activité de nettoyage ensemble avec Action Saint-François. Mais s'il y en a que ça intéresse, qui nous écoutent encore à cette heure-là, ce samedi 23, c'est rendez-vous au stationnement de la Grenouillère à 7h45 du matin. Pour M. Jeng, on pourra faire un spécial pour notre journée d'élu. Donc, tous les détails là, sont sur leur page Facebook. Sinon, je voulais attirer, je pense que Mme Baudin a fait Mme la mairesse a fait un post là-dessus, mais je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais la semaine dernière, on a appris que Montréal allait rendre la distribution des publisacs sur demande seulement. Je sais qu'on a eu le dépôt, on a eu une présentation du rapport du BAP. On sait qu'il faut vraiment travailler à réduire à la source. Et depuis des années, il y a des citoyens qui se plaignent parce que même s'ils écrivent qu'ils ne veulent pas de publisac, on leur remet un publisac. Fait que ça serait le fun, je pense, qu'on ait la réflexion inverse, qu'on se dise, bien, on enlève les publisacs et ceux qui veulent en faire la demande, donc il y a quand même un libre choix sur les citoyens qui veulent leur la demande, donc d'inverser, parce que là, il y a du gaspillage qui se fait avec ça de façon très importante. Fait que je pense que c'est un dossier que ça serait le fun qu'on regarde aussi. À Montréal, ça va être dès mai 2023, fait qu'on pourrait peut-être même réussir à faire ça avant. je lance le défi. Moi, c'est mon défi que je nous lance. Et puis, dernier petit point, vous savez, ça fait longtemps qu'on en parle, mais avec la pandémie, ça a comme tout été retardé, là, mais ça va être mardi prochain, le 26 avril, notre premier conseil d'arrondissement qui va se faire au 600 rue Thibault. Donc, vous savez, avant, les conseils d'arrondissement pour l'arrondissement des Nations se faisaient toujours sur le boulevard de Portland, mais là, on fait une alternance, donc ça va être le premier conseil d'arrondissement dans Ascot, dans l'ancien arrondissement à Mont-Bellevue. Alors, vous êtes invités à venir en grand nombre. Merci. Merci Madame Laroche. Madame Godbout. Oui, merci. Petit message. Vous savez que j'ai un conseil d'arrondissement de femmes dynamiques et inspirantes. Nous travaillons déjà sur notre plan d'action depuis quand même plusieurs semaines. Puis, on a un premier projet qui émerge là, de nos réflexions, qui est de mettre en place un concours fleuri dans notre arrondissement. Et on fait déjà ou actuellement une invitation aux citoyens qui voudraient s'impliquer dans ce concours-là. On veut vraiment impliquer les citoyens dans même établir la réglementation, vraiment être
avec nous là, pour créer ce projet-là. Donc, c'est concours Jardin Fleuri. Puis, pour faire partie de ce comité citoyen élu là, de ce nouveau concours des Jardins Fleuri, vous devez écrire à nicolas.boisvert@commercialsherbrooke.ca d'ici la fin de la semaine, idéalement. Donc, c'est une invitation. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont remis au jardinage pendant la pandémie. Alors, puis on aime les défis, hein? Madame Christelle l'a dit, on aime les défis dans notre arrondissement. Donc, on lance ce défi-là à tous nos citoyens là, de donner un petit coup d'amour de plus dans leur jardin. Merci, Madame Godbout. Monsieur Kibonge. Merci, Madame la Présidente. Donc, très brièvement, la semaine passée, j'ai eu la chance de remplacer Madame la mairesse à une annonce économique qui se faisait à l'entreprise Amexi, que j'ai découvert. Pourtant, elle a pignon sur rue depuis 30 ans. Puis, c'est une entreprise qui se spécialise dans le domaine abrasif. Donc, et ils partent, ils sont dans tous les domaines. En fait, c'est ça qui était fascinant. Ils polissent aussi bien les cercueils que le chocolat, que les autos, que l'aéronautique et tout ça, et de voir que c'était une petite entreprise. Oui, c'était formidable à voir, là, mais il n'y avait pas de chocolat cette fois-là. Mais de voir, malgré Pâques, de voir qu'on a une entreprise comme ça de réputation mondiale, parce qu'ils ont une réputation mondiale, à peine moins d'une vingtaine de personnes familiales. C'était, ça faisait chaud au cœur de voir que c'est justement ce genre de petites entreprises qui font là aussi bien la fierté de Sherbrooke que du Québec. Donc, ça me fera plaisir dans les mois qui suivent d'essayer de trouver comme ça des petits bijoux cachés aussi bien à Sherbrooke que dans le district pour les populariser et que les gens, comme on dit, la fierté c'est important pour nous, donc et soient fiers de Sherbrooke. Et petite annonce ici, donc il va avoir, le Conseil régional de l'environnement invite la population d'Estrie à la première édition de Sa Marche Doc. C'est ce vendredi 23 avril au Domaine Howard. L'objectif de l'événement est de sensibiliser la population aux liens rapprochés entre la marche, l'aménagement urbain et la santé. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Ça durera une heure et demie environ. Donc, vous êtes attendus vers 10 heures jusqu'à midi. Donc, merci et bonne semaine. Merci, Monsieur Kibonge. Madame Dauphinet. Oui, merci. On voit que le printemps revient. On n'en finit pas de se faire inviter à des événements. Personnellement, samedi qui vient, donc le 23 avril, la Forêt qui marche organise une activité. Ça, c'est un OBNL dont la mission est de récupérer et de valoriser les arbres et les végétaux indigènes, donc qui poussent naturellement, avant le déboisement lors de projets de développement d'infrastructures et d'habitations. Donc, on est là pour aller sauver quelques plantes, quelques arbres. Donc, c'est à 9 heures et le point de rencontre est au 1678 rue Jeanne-Mance. Donc, je vais vivre l'expérience pour une première fois et que les plantes soient pour moi ou pour quelqu'un d'autre, là, ça ne me dérange pas, mais je trouvais ça intéressant d'aller voir ça. Puis, j'amène ma belle-fille, ma fille, donc on va s'amuser. Fait que s'il y a des citoyens qui sont intéressés, je serais bien contente de vous y voir. Merci. Dauphinet, Madame Boileau. Merci, Madame la Présidente. Ce soir, nous avons voté pour la programmation des travaux de cet été. En ce qui concerne Brompton, les travaux prévus seront publiés sur ma page Facebook et comptent pour plus de 6 millions. On parle des rues Lavoie, Saint-Félix, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph. En fin de semaine, nous avons eu une alerte d'inondation car le niveau de la rivière Saint-François est monté. Il y a un outil très bien fait sur le site de la ville de Sherbrooke. Ça s'appelle les cartes interactives. Dans l'onglet, vous choisissez l'onglet inondation et vous pouvez cocher différents scénarios dans la rubrique de droite et voir sur la carte les endroits où la rivière va déborder. Comme ça, ça vous donne une idée un petit peu là, dépendant du niveau de l'eau. Citoyens et ou organismes, vous êtes invités à une consultation publique qui aura lieu le 28 avril prochain à 17h30 à l'École secondaire de Bromptonville concernant le développement social et communautaire à Brompton. Inscrivez-vous pour avoir droit au souper. Tous les détails sur ma page Facebook. Une nouvelle exposition, Biographie, est en cours à la Maison des arts et de la culture de Brompton. C'est gratuit et vous pouvez admirer les œuvres jusqu'au 29 mai. C'est à ne pas manquer.
Nous sommes en train de refaire les listes de membres pour la surveillance de quartier. Si vous souhaitez être membre ou avoir plus d'informations, mentionnez votre intérêt à catherine.sdq@commercial.gmail.com. Nous sommes en train de préparer le grand retour des réunions. Restez à l'affût. Pour découvrir les 6 signes qui montrent que vous avez besoin de changement dans votre vie, en passant par le fil conducteur de Sandra Côté, rédactrice en chef du journal ici Brompton, en découvrant l'origine du nom de la rue des Ruches à Brompton, la signification des pétroglyphes et des images de celles découvertes à Brompton, ou tout simplement pour savoir comment on a inventé les essuie-tout, il vous faut absolument vous procurer la dernière édition gratuite du journal ici Brompton, tout frais sorti en kiosque. La ville de Longueuil, en terminant, a annoncé aujourd'hui la création d'un service de garde pour les citoyens qui désirent assister aux séances du Conseil. Nous avons quelques élus ici qui ont ou qui auront bientôt des jeunes enfants. Alors, je pense qu'en plus des citoyens, ça pourrait être un service intéressant. Alors, j'ai un petit peu cogité, puis j'ai pensé à Mme Berthold, puis j'ai pensé à quelques noms pour la garderie. Donc, il pourrait y avoir la garderie Les Couches de la Société, Les Poussinots de Madame la Présidente, La Petite Commission, Les Municipalités, Les Jeunes Élus en Herbe, Les Petits Citoyens Engagés ou Les Mini-Militants. Bonne soirée. On pourrait, faudrait passer par là. Merci, Mme Boileau. Monsieur Deneau. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Monsieur Reyes, vous avez parlé d'Amexi, mais en plus, ils sont très impliqués dans la collectivité de Sherbrookeoise. Monsieur Lequin a participé avec un comité à la Société de transport à la mise en place d'une politique ou d'une... d'une politique ou plutôt d'un projet avec la CDC, soit la tarification sociale, et aussi sur la tarification pour les 65 ans et plus. Merci. Très simple, on a parlé beaucoup du 22 avril prochain, le jour de la Terre, mais je pense qu'on peut se lancer un défi, ce serait une première, qu'un conseil municipal entier n'utilise pas la voiture solo. Je pense que c'est quelque chose de réaliste et réalisable, tous ensemble. On a juste à prendre un engagement. Je pense qu'on peut toujours se trouver une façon, soit le transport actif, le transport en commun et le covoiturage. Merci. Merci, M. Deneau. Mme Robichaud. Merci, Mme la Présidente. Petit rappel à toutes les personnes intéressées par le projet de règlement 1200-173 en lien avec la remise à l'état naturel des rives. Il y aura assemblée publique la semaine prochaine, lundi le 25 avril, dans tout, 25 et 26 dans tous les bureaux d'arrondissement, mais chez nous, dans Brompton, Roqueforest-Saint-Hildeauville, ça sera le 25 avril à 18h30 au 1000 rue Aubois-Nord. C'est tout. Bonne soirée. C'est vrai et c'est important. C'est dans tous les arrondissements, effectivement, lundi ou mardi prochain. D'accord, c'est mon tour. Je vais être un petit peu moins drôle, mais j'aimerais ça vous entendre, par exemple. Ça ne me dérangerait pas de garder des enfants. Ma sœur me dirait que je serais très bonne parce que j'aime beaucoup les enfants. Mais là, je ne trouverais pas de temps. Fait que je ne peux pas être partout à la fois. On ne peut pas me reproduire une chance. mais merci beaucoup. Ce soir, j'ai reçu beaucoup d'amour des élus. Je vous remercie beaucoup, et même des citoyens, donc c'est gentil aussi. Maintenant, je ne sais pas si c'est le beau temps qui fait ça, mais de plus en plus, le téléphone sonne pour des résidents, des résidentes, la population qui nous appelle pour nous dire « Qu'est-ce qui se passe avec ma requête en circulation? » Ça va vite, on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas de suivi, c'est quand les mesures d'atténuation. Pourtant, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, les 5 signatures, c'est déposé et tout ça. Donc, il faut comprendre que ça a été un petit peu difficile, périlleux, long, avant que tout ça se remette en marche. Mais au cours des prochains jours, des prochaines semaines, les requêtes en circulation vont descendre dans les arrondissements et on pourra les prioriser parce que c'est la nouvelle façon de le faire. Mais je peux vous comprendre que vous trouvez ça difficile quand ça roule vite, quand les jeunes jouent dans les rues, dans la rue, puis on n'est pas toujours là. Là, on gratte la pelouse, on veut laisser les pissenlits, mais il faut quand même la gratter.
quelques-uns le font, et puis il ne peut pas avoir les yeux partout pour surveiller les enfants qui jouent dans la rue. J'aimerais que l'on... J'apprécierais beaucoup que l'on vérifie vraiment si ces requêtes-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en attente, on parlait de 80 à peu près. J'aimerais qu'on fasse un suivi au comité exécutif demain, voir où on est rendu où, puis qu'on descende ça dans les arrondissements, puis qu'on commence à les traiter, puis qu'on commence à investir, parce qu'on a investi de l'argent. Moi, il me paraît que c'est fin mai, mais en tout cas, si on peut accélérer un peu, tout au moins nous donner un peu de matériel pour qu'on puisse répondre concrètement aux citoyens et à la citoyenne qui nous appelle pour nous dire, ben, découragez-vous pas, ça s'en vient, c'est pas la chanson que je vais vous chanter, là, mais au moins pour qu'on puisse les sécuriser de ce côté-là, parce que c'est malheureux. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui, et oui, j'ai redonné du sang, j'en ai donné longtemps, mais j'ai arrêté, mais je vais aller avec toi, alors ça va me faire plaisir. Madame Baudin? Oui, moi, le sujet dont on me parle de façon récurrente d'année en année quand le printemps arrive, c'est l'alcool dans les parcs. depuis 4 ans, là, depuis 2018, à chaque printemps, quand il commence à faire beau, là, il ne fait pas encore assez beau et chaud là, pour que les gens y pensent, mais je vous dis, c'est un sujet qui va certainement rebondir. Et on en parle demain au comité exécutif, alors vous connaissez déjà... ma position là-dessus. L'objectif, ce n'est pas d'encourager la consommation d'alcool. Je suis moi-même une grande adepte de bières sans alcool. On a des micro-brasseries à Sierre-Chabot qui en font des excellentes. Moi, je l'ai connue, votre position, dans l'autre mandat. Alors, on aura l'occasion d'en discuter demain en comité exécutif, oui. Et ça reviendra bientôt au conseil municipal. Mais sur un sujet beaucoup plus sérieux, on a reçu une grave nouvelle récemment. Et monsieur le greffier, si vous pouvez l'inscrire au procès-verbal, des félicitations pour la personne qui a joué le rôle de greffier ce soir et qui quitte malheureusement la ville de Sherbrooke pour d'autres défis. Alors, j'ai reçu avec l'aide de complices ici à la ville de Sherbrooke un petit mot pour retracer votre parcours, souligner vos bons coups. Alors, vous avez été membre du barreau en 1998, diplômé en deuxième cycle en gestion des affaires en 2006, puis maîtrise en environnement en 2014. Est-ce que vous saviez ça, membre du conseil? Alors, de 1998 à 2010, Maître Martel a travaillé comme avocat pour l'étude Martel-Brassard-Doyon, SENC, dans plusieurs domaines du droit, civil, administratif, des affaires, bancaires, immobilier, municipal et de l'environnement. Maître Martel a été engagé à la Ville en 2010 au poste d'avocat au contentieux, où il s'est accompli comme plaideur dans plusieurs dossiers d'envergure. Il a obtenu le poste de greffier adjoint et de chef de division du greffe en 2018. Et à ce poste, Maître Martel s'est plus particulièrement démarqué dans les domaines du droit municipal, de l'aménagement et de l'urbanisme et du droit de l'environnement. Il a enseigné plusieurs années aux étudiants et étudiantes du barreau. Il a été membre du conseil d'administration du Jeune Barreau et du Barreau de Saint-François. Et il est toujours syndic correspondant du Barreau du Québec dans le district de Saint-François. D'un point de vue plus personnel, les qualités qui lui sont reconnues, c'est sa rigueur, son intégrité, sa loyauté, le fait qu'il est très travaillant, analytique, grand sens analytique, un excellent rédacteur, un bon communicateur, proche de ses employés, disponible, fiable et très apprécié de tout le monde. Je peux dire que moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Maître Martel sur le règlement 1300 pour les commissions, le code d'éthique. C'est agréable de tomber sur des gens qui se passionnent aussi pour ce type de sujet-là. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était très apprécié. Alors, c'est une grande perte pour nous à la ville de Sherbrooke. Monsieur Drouin me console souvent. En tout cas, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, des situations comme celle-là. Mais il me dit, on perd un collègue, mais on gagne un contact. Alors, on aura un bon contact dans les prochaines années. Mais ça nous a vraiment fait plaisir de vous avoir parmi nous toutes ces années. Et des félicitations et des remerciements, surtout, de la part de toute l'équipe de la ville de Sherbrooke. Oui.
On tient à ce que ce soit inscrit au procès-verbal. Il faut que ce soit inscrit. Nous avons l'autorisation de Maître Chabot. Donc, trouvez le moyen de vous inscrire sur le procès-verbal, s'il vous plaît, dans le procès-verbal. Alors, bon succès, Maître Martel. J'ai adoré travailler avec vous et c'est drôle parce qu'en 2013, ce fut un de mes premiers dossiers avec Maître Martel, un dossier d'arbres. Et que notre premier contact a été, je le trouvais très froid, j'étais au téléphone et lui aussi, et j'ai comme fait au polaire. Mais finalement, à force de se connaître et de se côtoyer, ben, on apprend à découvrir l'homme. Alors, bonne continuation dans ce que vous avez à faire. On est souriant, mais c'est une lourde perte pour nous. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Maître Martel. Qui déclare la séance? Ah, c'est M. Charron, je m'excuse. La séance est levée. Merci. À dans deux semaines, puisque nous retournons dans nos terres la semaine prochaine. Merci.